dès 14h à 15h. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Inclinons nos têtes, prions pour l'écoute de la parole de Dieu. Par la vie, par la résurrection, par la parole faite chair. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accueille-nous dans ta présence. Nous invitons ta présence, ton esprit, pour communier avec nous et agrée ses services. Dépouille-nous, décharge-nous, Seigneur, et bénis nos âmes, nos corps, nos maisons et nos vies. Pour la gloire du royaume éternel, William Aaron Branham. Amen. Nous allons continuer notre sermon, enseignement. We continue with our sermons, teaching. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. We greet you all in the name of the Lord. Amen. Et nous remercions Dieu pour toutes choses. And we thank God for all things that happen. Pour nous avoir encore accordé ce temps. To give us again this time. Et nous avons connu quand même une semaine difficile. We have known a very difficult week. Avec les jeunes garçons qui ont changé le monde de vie. We the baby that changed de la famille lives. Constant à Bikou. Our brethren Constant à Bikou. Et nous croyons que tous nos biens et nos enfants viennent de Dieu. And we believe that all our goods and our children are coming from God. Peu importe leur sexe. No matter the sex. Nos biens, nos habits, nos maisons, tout ça vient de Dieu. Our goods, our clothes, our houses, all are coming from God. Mais dans les temps et dans les corps, tout périme, tout passe. By the time the flesh all perishes, all passes by. Et il y a toujours un changement des vies ou des cycles du temps. There is always changing of life and cycle all the time. Et nous devons nous attendre à cela tout le temps. We must wait this all time. Chaque croyant, chaque être humain qui vit. Each believer, each human being living. Doit savoir que ce cosmos est en train de passer. Must know that this cosmos is passing by. Il n'y a rien dans le temps présent qui ne va pas périmer. Nothing in the present time will remain still. Peu importe la chose, même si tu aimes ça jusqu'à mourir, ça doit périmer. No matter the thing, even you love it until die, it will perish. Les maisons, les biens. Your houses, le monde, goods, l'humanité même, world, humanity itself, est en train de périmer. Is perishing. Ça doit céder à un nouveau monde. It must cede to another world. Autant les vieillards, les jeunes, les enfants, tous doivent partir. Elder, young, baby, all must be gone. Mais c'est Dieu qui détermine quand pour tout un chacun. Is God giving determination each time for each hour? Amen.
C'est pourquoi on nous apprend encore le pasteur Baruti qui est décédé. That we are informed about the pastor Baruti dead. Et nous avons vu comment les croyants pleuraient. We have seen the way the believers were crying. Vous voyez que toute cette église est dans une douleur non imaginable. How the church is in pain today. Parce qu'ils bénéficiaient de ces dons-là. They had benefits of his gifts. Maintenant, cela marquera une absence. That will be absence, this gift. Tout celui qui viendrait ne serait plus le pasteur Baruti. And the coming one will never be again the pastor Baruti. Voyez un peu comment ces choses-là fonctionnent. See how the things are functioning. Donc chacun de nous, même si vous ne pensez pas trop à la mort, mais vous devez toujours vous rappeler que si ce n'est pas un enfant, c'est un adulte, peut-être c'est toi-même, chacun de nous doit partir. Each of us must remember, if not a boy, is an adult or yourself. Each of us must go. Il doit changer de mode de vie. Must change our way of life. C'est ce qu'on appelle sur la terre la mort. What we call upon earth, donc, il est juste demandé aux humains de réfléchir à cela. We are just asking human beings to think about it. Et d'être en ordre avec Dieu. And to be in order with God. Et d'être prêt dès que ce moment-là arrive. To be ready for the moment coming. Mais nous avons été vaccinés par Dieu. We had vaccination by God. Scellés dans son amour. Sealed by his love. Et nous n'avons aucune mauvaise pensée. We have no bad thoughts. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, all what happened in our life, nous ramenons ça à Dieu et à sa parole. We bring it to God and to his word. Et nous continuons à l'aimer et à marcher, à aller de l'avant. We continue to love God and walk forward. En lui présentant de nouvelles demandes et de nouvelles and attentes. Introducing to him new demands, new requests and new hopes. Que le Seigneur puisse bénir la famille en général. Et particulièrement la famille Abikoum. May the Lord bless families in general and particularly family Abikoum. Et Dieu bénisse le frère Michael qui a été consacré à la place du baptême. Parce que frère Branham dit on ne baptise pas les bébés mais on les consacre. Brother Branham bless brother Michael that was consecrated. Donc quand on consacre le bébé, c'est ça son baptême. When we consecrate the baby, his body is in. Et il est sauvé, il est avec Dieu et il n'y a rien là-dedans à regretter. He is already saved with God and nothing to complain. Et nous le disons carrément bonjour là où ils sont quelque part ici de l'autre côté. And we greet them, we thank them, hello, the place they are by our side. Nous demandons à Dieu de nous aider, nous qui sommes encore ici. We ask God to help us. We remain still living. Pour que nous puissions continuer la marche et réussir notre devoir. For us to continue walking with Him and in the way to succeed in our duty. C'est vide, mais me dérange un peu. Les chaises sont finies. Ça fait un grand vide. Il n'y a plus de chaises. Il n'y a pas une chaise qu'on peut mettre à côté là ou pousser l'autre là un peu. Amen. Amen. Okay. Maintenant, tu vas rester debout. Ok. Nous, toutes ces choses-là nous intéressent quand on regarde l'auditoire. Amen. Et la manière de s'asseoir. Alors, nous passons à la parole. We are going through to the word. Nous disons que le jugement, le premier jugement de Dieu est intervenu dans le jardin d'Éden. We say that the first judgment of God has come in the Eden Garden. C'était Dieu en train de juger les serpents. It was God judging the serpents. Ce sujet est très important pour le troisième exode. This topic is very important for the third exodus. Parce qu'il nous donne des précisions très profondes. It gave us deep precision. Il nous évite la confusion et l'esprit d'erreur. Avoiding to us confusion and the spirit of mistake. Alors, nous disons que le serpent, c'est un être vivant. We say that the serpent is a living being qui a vécu dans le jardin d'Eden. Which lived in the Eden Garden. Dans question réponse numéro 3, frère Branham dit. In question and answer number 3, sermon, brother Branham said. 314. Paragraph 314. Maintenant, il changea ce serpent de telle manière. So now he has changed the serpent
que cela embrouille cette génération, this troubles this generation, qui essaye de trouver un os qui ressemble à un quelconque os d'un animal. We try to look for a bones which is like the bone of a certain animal. Qui était à moitié homme, moitié animal. Which was half human being, half animal. Enfin, de dire que c'est là que l'homme, ils ont perdu la trace à partir du chimpanzé. Trying to say that is the man, they are lost the steps from the chimpanzee. Seulement le chimpanzé n'a pas d'intelligence. Mainly the chimpanzee don't have any intelligence. Le chimpanzé n'a pas d'âme. Chimpanzee don't have soul. Il ne peut pas penser. Cannot think. Il peut juste un bruit. Just making a noise. Comme un cheval. Like a horse. Quelque chose comme cela. Something like this. Viens, fido, un tour, etc. Thing like this, sound like this. Et cela par émotion, bien sûr. This by the way of emotion, for sure. Ils ne savent pas, mais pas penser et comprendre. Les chimpanzés ne peuvent pas. They can never think and understand things. Chimpanzees are not able to do ils it. Ils ne savent pas qu'ils sont nus. They don't know that they are naked. Ils ne connaissent pas le fer. Ils ne connaissent pas la différence entre le mâle et la femelle. They don't know the difference between male and female. Ils n'ont aucune loi semblable, voyez-vous. There is no law likewise, you see. Ils ne peuvent pas le faire. They cannot do it. L'être humain est le seul qui puisse le faire. Human being is the only being able to do it. Et celui qui était proche après l'être humain, c'était le serpent. The one close after human being was the serpent. La Bible a dit qu'il était la plus rusée de toutes les bêtes de champ, la plus habile. Bible says he was the most cunning of all the wild beasts, the most subtile. Il possédait presque une âme. He was possessing almost one soul. Il y avait en lui une place pour une âme. There was in him a place for a soul. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est vendu à Satan pour tromper. What he did, he sold himself to Satan. Pour tromper Dieu. To cheat God. Pour essayer de le tromper. To try and cheat God. Combien le comprennent jusque là? How many understand until here? Le serpent avait presque une âme. Serpent had almost one soul. Dieu savait que les gens rechercheraient ses os et il n'y a pas un seul os dans un serpent qui ressemble à l'homme. God knew there was a people were looking for bones and there's no bones in the serpent resembling to human being. C'est ça sa malédiction. Is that the serpent's curse? Il se tenait debout exactement comme un homme. He was standing on feet exactly like a human being. Remarquez alors cette semence qui était proche de la semence humaine. Look at that seed that was very close to human seed. Satan lui-même, l'esprit, savait que c'était la seule semence qui rendrait la femme enceinte. Satan himself, the spirit, knew that it was only the seed that would make the woman pregnant. Car les chimpanzés ne feraient pas cela. Because the chimpanzee could not do it. Ils ont croisé cela avec toute autre chose, cela ne marchera pas. They melt the seed with all other seeds, it was not working. Ils savaient que le genre de vie qui était dans les chimpanzés n'accéderait pas au champ d'ensemencement de la femme. He knew that the sort of life, the seed that was in the bosom of the chimpanzee, will never fertilize the woman's womb. Mais il savait que la semence du serpent le ferait. But he knew that the serpent's seed could do it. Ainsi, il traita avec le serpent. So he tried to deal with the serpent. Et Adam n'avait jamais su que cet acte pouvait se faire, voyez-vous. Adam never knew that that action was possible, you see. Elle fit créer femelle. She would create it female. Certainement, elle devrait en arriver là. Plus tard, au sexe là, plus tard. Certainly, she must reach there, later, to the sex. Mais vous voyez, you see, cela relevait de la souveraineté de Dieu pour se manifester comme sauveur. That was coming from the sovereignty of God to get manifest as savior. Ainsi de suite, comme je l'ai souvent expliqué. And so forth, as I explained it sometime. Mais Satan savait cela. But Satan knew it. Car il alla vers elle sous la forme de ce serpent qui était la bête. He went to her in the form of the serpent
which was the beast. Une bête. Et il alla vers elle. And he goes to there. Et when c'est Satan qui premièrement l'avait rendue enceinte. And it's Satan that made her be pregnant for the first time. Et si vous remarquez bien, if you notice, il n'y eut que deux actes accomplis et trois enfants furent nés. We just had two actions fulfilled and three children was born. Sondez les Écritures. Look scriptures. Elle donna naissance à des jumeaux. She gave birth to twins. L'un d'eux était la semence du serpent. One of them was the serpent seed. L'autre c'était Abel. The second one was Abel. Elle séduisit son mari et lui raconta, voyez-vous. She seduced her husband and made him the report. Alors elle montra à son mari ce que c'était, puis il vécut aussi avec elle. She knew, she showed to her husband what was it exactly, and she lived with him. Et elle enfantant cet enfant, and she gave birth to that child. Je vais vous montrer qu'elle portait dans son sein des jumeaux venant de deux différentes. C'était une femme vierge. I want to show you that she was bearing in her belly twins coming from two different springs. She was a virgin. Amen. Amen. Ici nous retenons quelque chose d'important. We bear something important from here. Donc nous avons le serpent dans le jardin d'Eden. Nous avons le serpent. In Eden Garden we get a serpent. D'abord nous avons Adam. Firstly we get Adam. Que vous verrez avec la lecture que c'est lui qui représentait le livre de vie. And you will see that with the reading is the one represents. Disons l'arbre de vie. The tree of life. Au milieu du jardin. In the midst of the garden. L'arbre de vie, Adam représentait l'arbre de vie. Adam was representing tree of life. Il y avait le serpent. There was the serpent. Lui, il était, selon la parole, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. According to the word, it was the tree of knowing of good and evil. Et vous verrez, et c'est ça le serpent, oui. You know that the serpent, yeah. Et Ève est ici à côté d'Adam. Eve by the side of Eden. Le serpent avait sa femelle. Serpent with the female. Vous avez tout le reste de bêtes dans le champ. All the rest of beasts in the field. Maintenant, Dieu s'est incarné dans Adam le septième jour. God incarnated Eden the seventh day. Après les six jours de la création. After the sixth day of creation. Le septième jour, Dieu est venu se reposer dans l'homme Adam. Seventh day, God came to rest in Eden. Et à partir d'Adam, Dieu allait se reproduire. From Adam, God had to reproduce. Parce qu'en créant Adam, Dieu a dans son dessein le désir de se reproduire. Creating Adam, God has in his purpose the desire to reproduce. Depuis étant le grand esprit, from the stage of being the great spirit, il a des desseins et des projets pour se reproduire et remplir la terre. He has his purposes, his projects to spread and fill all the earth. Et il l'a fait à partir d'Adam. And he did it from Eden. Et il a créé le sexe pour cette reproduction. And he created the sex for this purpose. Mais seulement le moment de l'utiliser n'était pas encore arrivé. Only the way of uses was not yet reached. C'est pourquoi Frère Branham dit il devait y arriver plus tard. That the reason why Brother Branham said he must reach laterly. Mais avant que le moment fixé par Dieu pour que l'acte commence, before the Satan moment l'a devancé. Fixed by God to start this action, does Satan overcame him. Mais Dieu a laissé cela arriver. God let it happen. Parce qu'il avait besoin de manifester ses attributs. He needed to manifest his attributions. C'est-à-dire si Adam commet l'erreur et tombe, if Adam make a mistake and fall down, Dieu se préparait à venir le sauver, le relever. God was preparing to wake him up, save him. Amen. Amen. C'est pourquoi il a laissé cela arriver. That's the reason why he let it happen. Donc vous avez le serpent. We get a serpent. Le diable qui pense que lui aussi doit se reproduire d'abord. The devil himself thinking he must reproduce mais himself. Lui en tant qu'esprit qui ne peut, qui n'a pas la possibilité de créer, il ne peut pas se créer un homme. He as a spirit who has no capability to create himself, he can never create himself a man. Et il ne peut pas s'incarner dans Adam. He can never be incarnated in Adam. Parce que Dieu habitait déjà dans Adam. God already was dwelling in Adam. Alors lui est venu s'incarner dans le serpent. He has come to incarnate himself in the serpent. Parce que le serpent était l'être à 99% un être humain. Because the serpent was a being 99.9% human being. Il était à 99% un homme. He was 99% human being. Et à 100% un animal. And 100% animal.
Donc, il lui manquait presque 1% pour devenir parfaitement un être humain. He was missing just 1% to become a human being perfectly. Amen. Amen. Pourquoi Frère Branham dit il avait presque une âme. That is why Frère Branham says he has almost a soul. Et il ajoute, il avait une place pour l'âme. And he has a place for his soul. Ça veut dire que dans le cœur du serpent, I mean, in the heart of the serpent, il y avait un compartiment vide. There was an empty compartment où l'âme peut se poser. An empty place where the soul can be. Et ça c'est très important car ça les différencie totalement des animaux. That's a very important this detail because it makes them be different from animals. Parce que les animaux n'ont pas cette chose vide là dans leur cœur. Animals don't have this empty space in their heart. Cette chose là se trouve seulement dans l'être humain. This empty place is only on the heart of human being. Et le serpent avait ça dans son cœur. And the serpent also had this space in his heart. Amen. Amen. C'est pourquoi son sang était compatible avec celui de l'homme. That's the reason why his blood was compatible with the human being. C'est blood. Ce qui fait qu'il pouvait faire concevoir l'homme. What makes he was able to make conceive human being. Ou disons la femme. Or also women. Et c'est pourquoi il a été choisi par le diable. That the reason why he had been selected by the devil. Et l'esprit diable est venu s'incarner dans lui. And the spirit of the devil has come to incarnate himself. Et lui a donné les pensées d'aller vers Eve. And gave him talk of going to Eve. De la convoiter et de faire tout ce qu'il a fait avec Eve. To desire her and to do all he did with her. Et il a fait ça dans les avant-midi. And he did it before midday. Vers 10 heures. Around 10 a.m. Et le même jour le soir. And the same day in the evening. Eve a raconté tout à son mari qui a fait aussi avec elle. Eve did the same report to her husband. We did the same with her. Et Eve a conçu en même temps des semences au même moment. Eve conceived at the same time two seeds at the same time. Et dans ces deux semences, il y avait une pour Adam. Both seeds, there was one seed for Adam, qui était Abel, which was Abel, et une pour le serpent. And the second one for the serpent. Là, dans Eve, il n'y a pas semence de Dieu dedans. In Eve, there was no seed of God. À ce niveau-là, nous avons dit le mercredi, c'est très important à retenir et à souligner. À ce niveau-là, il n'y a pas encore la semence de la femme. And we said last Wednesday, at that level, there is no yet woman seed. It's very important. We said it last Wednesday. Parce que dans le sein de Eve, in the bosom of Eve, les deux semences qu'elle portait dans le jardin d'Eden au moment du jugement provenaient l'une du serpent, l'autre d'Adam. But we said in the Eden garden, in the two seeds she was bearing in the bosom were coming from two different seeds. The first one from the serpent and the second one from Adam. Prenez la puissance de transformation prêchée à Prescott en Arizona le 31 octobre 1965 matin. Take the sermon Power of Transformation prêchée le 31 octobre 1965. À partir du paragraphe 129. From paragraph 129. Eh bien, nous voyons maintenant que ces gars, donc ce monsieur. Okay, we see now this guy. Ce garçon, cet homme, this man, this guy, ce gars a trouvé Eve dans le jardin d'Eden. Found Eve in the Eden garden. Cette jeune femme qui ne connaissait pas le péché ne savait pas ce qu'était sa nudité. The young lady, we don't know what was the sin and also nudity. Mais lui savait. He knew. Le serpent. Donc il était habile, rusé, intelligent. He was cunning, intelligent. Il lui dit la semence. Le fruit était plaisant et désirable. Alors il vécut avec elle ce matin-là. And he said to her, the fruit, desirable, agreeable, sweet. So he slept with her this morning. 130. Et alors voyez, alors l'après-midi. And coming the afternoon. Elle persuada Adam de faire la même chose, lui disant que c'est que c'était. Eve convinced Adam to do the same, telling what it was exactly. Et alors Adam délibérément, Adam freely, sachant qu'il n'aurait pas dû le faire, sortit avec sa femme et commit cet acte auquel finalement il serait arrivé de toute façon. Knowing that what he did was not interesting, was not allowed, he did it, knowing that Amen. He will do it. Vous voyez qu'il répète toujours la même chose. You see, he repeat the same. C'est pourquoi on a déjà et plusieurs fois dit que le sexe, ce n'est pas un péché. That is why I said
Every time that sex is not sin. Ce n'est pas une surprise. You know, a surprise. C'est quelque chose que Dieu ne savait pas et puis c'est venu. Non. Something God don't know and it has come like this. No. Il a créé, il met mâle femelle comme ils sont dans ce but là de la reproduction. He has created human being, male and female, the way they are for reproduction. Seulement il devait attendre son moment pour le faire. Just they have to wait a moment to do it. Finalement, il serait arrivé de toute façon. Finally, they will be rich anyway. Donc, toute la malédiction que le sexe a amené, c'est pas le sexe qui amène, c'est le mauvais usage qui amène la malédiction. All the curse brought by sex, you know, brought by sex, is the evil use of the sex that brought all the curse. Et voyez-vous, cela devait aller ainsi. La sagesse de Dieu. You car see? Ceci manifeste alors son attribut d'être un sauveur. Things must be like this. Wisdom of God, because this manifests his attributes of being savior. D'être un père guérisseur, vous m'avez entendu prêcher là-dessus plusieurs fois, c'est vrai. To be a father, healer, you heard me preach plenty time about this. Amen. Amen. Il les a simplement laissés là, ayant le libre arbitre pour les laisser agir. He just let them there, having judgment to let them act. Il n'aurait pas pu les pousser à le faire et encore être juste. Non. He could not let them push them do it and oui. Be fair. No. Donc Dieu ne peut pas te pousser à faire un mal ou quoi que ce soit. Non. God can never push you, influence you to do evil. No. Il ne doit pas te pousser à le croire. God must not push you to believe. Il ne doit pas te pousser à faire le mal. Non. He must not push you to do evil. C'est no. Pourquoi même dans la prière de Jésus, il disait prier en disant. Notre Père qui est au ciel ne nous soumet pas à la tentation. In the prayer, Jesus was saying, Heavenly Father, never submit us to temptation. Je causais avec quelqu'un. I was challenging somebody. En lui faisant voir. Making him know that. Yeah, on a l'habitude de dire. We are used to say. Oh mon frère, oh ma oh, soeur. My brother, my sister. Faut rien forcer dans la vie là. Never force nothing in your life. Si c'est une faiblesse. If a weakness. Attends-toi seulement à Dieu, ça partira un jour. Hope God, it oui. Will go. The weakness will go. Oui, ça c'est une mauvaise onction de dire des choses yes, comme ça. It's a bad anointment to tell such things. Vous voyez? Parce que quand vous êtes là, when you are there, vous avez un pouvoir du libre arbitre we have power of judgment pour décider sur comment doit être votre vie. To decide the way must be your life. Tout être humain qui vit dans le monde human being living upon earth a reçu le pouvoir de la part de Dieu receive power from God de décider comment sa vie doit être. Decide the way life must be. C'est-à-dire la destinée d'une personne the destiny of a human est dans sa propre main. Is in his own hands. Amen. Amen. Si tu veux croire en Dieu, c'est toi. If you want to believe in God, it's your own choice. Si tu ne veux pas, c'est aussi toi. If you don't want, it's your own choice. Si tu veux être le vainqueur, tu vas devenir un vainqueur. If you want to be the overcomer, you'll be an overcomer. Si tu veux être riche, tu deviendras riche. If you want to become rich, you'll become il rich. Il n'y a rien qui peut t'empêcher si tu veux l'être. Rien. Nothing will avoid you if you want to be something like this. Amen. Amen. Si tu veux être pauvre, tu seras aussi pauvre. If you want to be poor, you'll be poor. Tout ce qu'un homme veut, c'est ce qui va arriver. All what happened to you is all what you want. Et Dieu, God, il ne peut pas te pousser à le croire. Can you push you to et puis venir dire tu es un vainqueur? Non. And come tell you you are an overcomer? No. Il te donne le libre arbitre. He give you the free judgment. Mais il sait d'avance que tu croiras ou tu ne croiras pas. But he knows in advance that you will believe or not. Ainsi Adam et Ève, and also Adam and Eve, Dieu a créé le sexe pour la reproduction. God created sex for reproduction. Mais il les a donné le libre arbitre pour choisir s'ils vont respecter l'ordonnance et attendre ou ils peuvent briser l'ordonnance. But he gave them judgment to know if they must wait for the ordinance or respect it. Je crée quelque chose. I create something. Il y a le plaisir dedans. Plenty pleasure. Vous ressentez ce plaisir là. You feel that pleasure. Mais je vous dis, n'utilisez pas ça maintenant. But I don't use it now. J'ai un programme pour ça. I have a program for this pleasure. Et quand je vous dis, ne l'utilisez pas. When I tell you don't use it. Ça ne veut pas dire que vous manquez la capacité d'utiliser ça. It does not mean you miss capability of using it. No. Vous avez le moyen d'utiliser ça, mon aide. You have capability to use it without my own
help. Mais je vous dis, ne le fais pas encore à cause d'un programme. I tell you, wait, don't do it because of my own program. Et quand vous ne l'acceptez pas, and when you don't accept et it, vous faites la chose, and you do the thing, alors en ce moment-là, vous avez transgressé mes paroles. At that time, you transgress my words. Et quand vous transgressez mes paroles, when you transgress my words, vous allez amener un désordre dans tout le plan. You will bring great disorder in the plan. Et quand tout le plan est obscurci, when the plan is darkened, il faut le réanimer encore. We need to reanimate the plan. Et pour le réanimer, to reanimate the plan, il faut un attribut appelé sauveur. We need an attribute called savior. Et c'est ce qui amène Dieu à mettre en ordre ou en exercice ce qu'on appelle le plan de la rédemption. God brought God to put into existence plan of redemption. Le plan de la rédemption, the plan of redemption, c'est le concepteur du système qui vient. Is the system concepteur à pour enlever les virus qui sont entrés dans son système. To remove viruses that was enter in the system. Mais l'avènement de ce péché dans le système, by the coming of the sin in the system, permet à Dieu de manifester sa gloire. Allow God to manifest His glory. C'est pourquoi quand ces choses sont arrivées, when those things happens, ça n'a pas diminué Dieu. It don't reduce God. Mais ça l'a rendu encore plus grand. It made God become greater. Parce qu'il avait la capacité de manifester de quoi il est capable dans cet état-là. He had the capability to show how he was great in this stage. Amen. Amen. Alors, les gens accusent Dieu pour dire de lui-même aimer les péchés. People are accusing God to say, hey, he himself loves sin. Parce qu'il devait aimer les péchés. He must love sin. Parce que quand il y a les péchés, il manifeste sa puissance. When there is sin, he manifests his power. Non, 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 non. No. Il n'aime pas le péché. It is like sin. Mais quand il a vu le péché venir, when he has seen the sin coming, ou quand il a laissé le péché venir, when he has let sin come, il avait justement la puissance d'enlever ça. He has just capability to remove it. Et tout marche dans un programme, all works in a program, qui lui est propre. Which is his own program. C'est pourquoi Frère Branham utilise le mot par sa souveraineté. That is why Brother Branham used the word said by his high sovereignty. Quelqu'un qui fait son programme, il sait je veux que ça soit comme ça. Somebody make his program say I want this to be like là, that. C'est bon. This is good. Si c'est comme ça, c'est mieux. Yes, in this way, si this will good. Bon, ça, in that way, it's not be good. Comment? How are you going to judge such a person? Parce que nous n'avons aucune meilleure idée à lui proposer. We don't have any good idea to propose to him. Amen. Amen. Il les a simplement laissés là, ayant le libre arbitre. He let them simply there, having the pour judgment. Les laisser agir. To let them act. Il n'aurait pas pu les pousser à les faire. Et encore être juste. You could never push them to do like this and be fair. No. Mais il pouvait les mettre à égalité avec lui. He could put them in equality with him. Ayant le libre arbitre. Having the judgment. Et alors les laisser faire eux-mêmes. And let them do their own way. Et il savait qu'il les ferait. He knew that we do it. Et ainsi donc, voyez-vous alors, so you see, lorsque Adam y vécut avec elle, when Adam lived with her, elle donna naissance à des jumeaux. She gave birth to twins. Et l'un d'eux était de Satan. One of their twins were from Satan. Et l'autre d'Adam. And the second twin from qui, Adam. Qui était de Dieu. From God. Donc on a eu Caïn et Abel. At the same time, we have Cain and Abel. C'est ce que je venais de dire. What I was just coming Cain to say. Vient du Satan. Cain comes from Satan. Comment vient-il du Satan? How he came from Satan? Satan, Satan, c'est un esprit. Is a spirit. Il ne peut pas avoir un enfant naturel. He can never have a natural son. Mais lui est entré dans le serpent. But he has entered in the serpent. Il a donné un programme. He gave a program. D'aller exécuter avec Eve pour avoir un enfant. To go execute with Eve to have a son. Ce qui fait que le serpent a aidé Caïn. What makes serpent help Caïn? À matérialiser son dessein. To materialize his purpose. Et les deux se sont unis. And both gathered. Il y a eu ce qu'on appelle incarnation. We have what we call incarnation. C'est-à-dire l'esprit Lucifer, the spirit Lucifer avait pris une forme corporelle de monsieur qu'on appelle ici le serpent. Has taken a corporal flesh
of the person we call here serpent. Et souvenez-vous, ce monsieur, remember, c'est pas un reptile. It's not a reptile. C'est un être presque humain vivant. A being, almost human being living. Qui marche sur ses deux pieds. Walking on his two feet. Qui est très intelligent. Very intelligent. Qui parle. Speaking. Et qui connaît les expériences des choses de la vie. Knowing experience of things concerning life. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. C'est ça l'homme dans lequel il est entré. It's what a man he has entered in. Et après ça, after this, on a commencé à appeler Lucifer le serpent ancien. We are starting to call Lucifer the old serpent. Vous voyez? C'est-à-dire Lucifer a eu un nom. Lucifer had a name. Satan. Satan. Serpent. Serpent. Pourquoi? Why? Parce qu'il s'est fait chair. Because he was made flesh. Parce que la loi selon laquelle l'esprit entre dans un corps humain et du coup il prend les noms de ce corps-là. So the law, there is a law in which when the spirit enters in your own flesh, it takes automatically the name of that flesh. Si l'esprit Jésus, if the spirit Jesus, entre dans le frère John ici, enters in the brother John, il portera le nom de Johnny. He will bear the name of John. Et il restera toujours esprit et Dieu tout-puissant. He will remain always Almighty, powerful God. Cela ne changera rien en lui. It will change nothing in God. Amen. Amen. Lucifer. Quand il s'est incarné dans le serpent, when he incarnated the serpent, il a pris le nom du serpent sur lui. He has taken the name of the serpent upon et him. Et Satan, dans lequel Lucifer est entré, Satan in whom Lucifer entered, a été comparé à Lucifer Satan. Was compared to Lucifer Satan. De telle sorte que le serpent est devenu le symbole du péché tout au long du fil du temps. So that the serpent has become symbol of sin all along the time. C'est ce qu'on a vu le mercredi, n'est-ce pas? And what we have seen last Wednesday. Oh, dans la succession des générations. In the succession of generations. Le serpent est assimilé au péché. Serpent is linked to the sin. Et au sexe. And also to the sex. Pourquoi? Why? Parce que Lucifer l'a incarné. Because Lucifer incarnated him. Et ainsi donc, voyez-vous alors. And so you see. Lorsqu'Adam y vécut avec elle, when Adam lived with her, elle donna naissance à des jumeaux. She gave birth to twins. Et l'un d'eux était de Satan et l'autre d'Adam qui était Dieu. One of the twins was from Satan and the second twin was from Adam, God. C'est pourquoi on a dit, that is how he said, le jour où Dieu était en train de juger les camarades là, the day God was judging our comrades, il y avait le serpent. There was il y avait Adam. There was Adam. Il y avait Eve. There was Eve. Quand Dieu le parlait à eux trois. When God was talking to three of them. Quand il a dit au serpent. When he told to the serpent. Je mettrai inimitié. I'll put enmity. Entre ta semence. Between your seed. Et la semence de la femme. And the woman's seed. Et quand Frère Branham dit la femme a une semence. When Brother Branham said the woman has one seed. Ou doit avoir une semence. Who must have a seed. Retenez ça très bien. Bear it correctly. Que personne ne vous trompe. Nobody must cette you. Semence dont on parle là, that thing we are talking about, elle n'était pas encore là en ce moment-là. Was not here at that time. Dans le sein de Eve, in the womb of Eve, il n'y avait pas semence de la femme dedans. There was not woman seed inside. Il y avait la semence d'Adam. There was the seed of Adam. Et la semence du serpent. And the serpent seed. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. C'est les deux qui étaient dans Eve. Both seed was in Eve. Au temps présent, là, on parlait. Montez, pas descendre. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? At the present time, you're talking. C'est ça, ce que Eve portait. It's what Eve was bearing. Quand on dit que Eve portait les gemeaux, les when jumeaux, we say Eve was bearing Gemini, c'est les deux là. Twins, it was Caïn both. Et Abel. Caïn et Abel. Abel n'est pas la semence de la femme. Abel is not the woman's seed. En type, en spirituel, on peut dire oui. On time, spiritually, we say yes. Il faut éteindre le clim, il y a des gens qui disent souvent il fait frais. Éteignez un. Et laissez ça dehors. Un Jack doit avoir ça en main pour gérer. Toi, tu es loin. C'est bon maintenant? Amen. Hein, frère? Parce que j'ai vu les gens faire, ils voulaient changer son polo en couverti. Hein? C'est bon maintenant? Quand il fait légèrement chaud, c'est bien. Trop de froid, quand ça commence à glacer, ça ressemble à une morgue. Amen. 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 Amen.
On est en train de faire un exercice pour capter quelque chose. Amen. Adam, Adam a sa semence. As you see, c'est Abel. It's Abel. Parce que cause Adam, Adam a fait un acte sexuel avec Eve le soir du même jour. A sexual intercourse with Eve the same day in the evening. Satan, Satan, le serpent, the serpent, sont un. One. Comment ils sont un? Why? Le serpent est humain. The serpent is human. À 99%. Ce qui fait que si un homme serpent vient ici, tu ne sauras jamais. If a man serpent comes here, you never know. C'est pourquoi. The reason why. Frère Branham dit beaucoup de ces races là sont aux États-Unis là-bas. Plenty other races are in the USA. Nous le voyons à la télévision. We look them at the TV. Qui sait que ça là c'est le serpent? Who knows that this is a serpent? Nobody. Ils sont intelligents. They are intelligent. Et d'ailleurs beaucoup sont parmi les savants. Plenty are among wise men. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Parmi les savants même. Plenty les grands gaillards, les grands hommes. Great men. Leur caractéristique. Their characteristics. La première grande caractéristique de ces gens-là, c'est la taille. First characteristic of other people. Ils sont très géants. And they are high. Quand quelqu'un giant. Est un peu plus géant et géante. When somebody is more giant. Vous comprenez les gens qui commencent à aller vers la semence du serpent. They almost going to the serpent seed. C'est vrai. Amen. Amen. C'est ce qu'on est en train de lire. Nous, on ne fait que souligner ça. We just read, we are underlining. Pourquoi Dieu lui-même God himself, il ne s'identifie pas à la grande taille. Never identified by great Dieu eye. N'est jamais venu étant un géant. God never came being giant. Vérifiez, vous allez voir. Check it. La seule personne dans la Bible, the only person in the Bible où Dieu a travaillé puissamment God powerfully, et il avait un peu grande taille, c'est Moïse. And it was high is Moses. Et je ne pense même pas qu'il avait, il n'avait même pas 2 mètres. It was not 2 meters. C'est 1 mètre quelque chose. 1.5 meters. Saul. Saoul, Dieu n'était pas avec lui. Ah, Saul, God was not with Saul. Il est même le symbole de ceux-là qui sont tombés dans la popularité. Symbol of the one felt in popularity. Amen. Amen. Mais Dieu l'avait sauvé quand même. God saved him at the same time. Mais il était du côté d'un type négatif. By the side of negative type. Quand tu prends Samson, when you take Samson, c'est un petit comme ça, a small boy, mais qui frappe des milliers, striking thousands. Quand vous prenez David, take David, c'était un petit, small boy, frère Branham dit un grand galet qui frappait des milliers, striking great people. Quand vous prenez Jésus, when you take c'est Jesus, un bout d'homme qui frappe des milliers, small boy, striking. Amen. Amen. Et quand Dieu lui-même s'est révélé, when God himself revealed, dans la chair humaine aujourd'hui, in human flesh today, vous n'avez rien à faire à un gaillard, non? Was not giant. Vous avez les photos, non? You have the pictures. Amen. Amen. Donc est-ce que ça là on peut discuter? Amen. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et cela arrive. And this happens. Des semences dans une femme. Cela arrive. Those is nous avons woman. Un cas ici à Tucson maintenant. We got a case here in Tucson now. La femme blanche vécut avec son mari un matin. White woman lived with her husband one morning. Et cet après-midi là, elle vécut avec un noir. And the same evening she lived with a black man. Et un des petits garçons. Deux petits garçons étaient nés. And two boys was born. L'un d'eux était un petit noir aux cheveux crépus et l'autre un gosse à la tête blonde. And the first one was a black with curly hairs, and the second one a white with brown hairs. Et le mari a dit, moi je prendrai soin de celui qui me ressemble là. And the husband said, I will take care of the one resemble me. Donc, et vous comprenez que dans le monde naturel maintenant, you understand in the natural way, en dehors de cet exemple que Frère Branham est en train de donner, outside the example of Branham, il n'y a pas très longtemps, les journaux sont aussi sortis. No, from more, no more time, le même événement s'est encore répété. The same event happened. C'est quoi, quand on dit aux gens que dans le jardin de Dieu, when we say to people in the garden, personne n'a mangé un fruit. Nobody has eaten a fruit. Un fruit comme ça. Natural fruit. On vient sur un arbre. We come upon a tree. Le serpent vient, il prend un fruit. The serpent come take a puis fruit. Il va, il donne à Eve. And give to Eve. Puis Eve prend un fruit, il mange. And Eve takes fruit, eat of this. Ça, c'est un énigme. This is a great c'est Dieu enigma. Qui parle dans un langage codé. God speaking and coded. La preuve language, the proof. Est que quand le fruit a été mangé, when the fruit has been eaten, Eve n'a pas eu mal aux dents. Eve has not tooth. Ni ici sa langue. Not in her tongue. Même pas dans le type digestif. Not in her intestines. Où le fruit est parti. Where the fruit is mais, gone. Mais Eve s'est retrouvée nue. But
she find naked. On mange un fruit dans la bouche. We eat the fruit in et mouth, on se rend compte qu'on n'a pas d'habit. And oui. We are informed that we are not clothed. Dieu faisait comprendre aux humains. We were making the same, my man. Qu'il n'y a pas un autre fruit que vous pouvez manger. There is no other fruit you can eat. Et vous retrouvez ni si ce n'est que celui-là. And find yourself naked, at least this one. Amen. Amen. Et la deuxième chose, the second thing, après l'événement, after the event, quand Dieu vient distribuer les rétributions, when God comes to share the rewards, établir les responsabilités, give responsibility, ce qu'on appelle le jugement, what we call judgment, quand il s'adresse à Ève, when he talks to Eve, il dit à Ève, je vais augmenter. And said to him, I will multiply. Il y avait déjà une prévision de douleur de l'enfantement. There was a provision of birth pains. Mais Dieu va augmenter ça. God will increase it. Alors, il n'y a pas moyen de comprendre que quelqu'un mange un fruit, puis on augmente les douleurs sur son sexe pour mettre au monde. There is no way a person must eat of a fruit and we augment the birth pains. Why? Vous voyez? Et Eve a dit quand elle a mis au monde Caïn. Eve said, when she gave birth to Cain, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. I form a man with the help of the Lord. Pourquoi? Why? Parce que l'organisme de Eve qui a reçu la semence du serpent, c'est l'Éternel qui a créé ça. The organon of Eve that received the serpent seed was created by God. Et comme le serpent a frappé le jour J, as the serpent struck the D-day, dans la saison de la vie, in the season of life, il était normal qu'Ève puisse concevoir par l'aide de l'Éternel. It was normal for Eve to conceive by the help of the Lord. C'est-à-dire par la loi de l'Éternel. By the law of the Lord. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Et après, il a eu Abel. After we had Abel. Et Frère Branham dit, vous verrez qu'il y a eu deux actes sexuels. Brother, so you see two sexual actions. Et on a eu trois enfants. We have three boys. Parce qu'il a mis au monde Caïn. She gave birth Caïn. La Bible dit, et Abel. And Abel. Adam connut encore sa femme. And he knew again his wife. Et enfantant Seth. And gave birth Seth. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Adam, après l'acte avec Ève. Adam, after the action with Eve. Il y eut Abel. He had et Caïn. Caïn. Deuxième acte. Second action. Il y eut Seth. Seth. Deux actes, trois enfants. Two actions, three children. Pourquoi? Why? Parce que Caïn et Abel étaient des jumeaux dans le sein d'Ève. Caïn and Abel was twin in the bosom. In the bosom of Eve. L'un venait du serpent. The first one coming from the serpent. Le serpent qui est un être vivant réel. Retenez bien ça. Serpent which is a real being. Ce n'est pas un être imaginaire. It's not an imaginary being. Ce n'est pas un être spirituel, non. It's not spiritual being. Le serpent c'est un humain normal. Serpent is a normal human being. Nous répétons encore. We still repeat. Il était humain à 99%. Serpent was human at 99%. Il avait une place pour une âme. He has a place in his heart for his il soul. Il parle comme un être humain. Speaking like human being. Il parlait la même langue avec Eve. Speaking the same language with Eve. Et il connaît tout sur le plan de la sexualité. And he knows all information concerning sexuality. Amen. Le serpent n'était pas Lucifer. Serpent was not Lucifer. Le serpent n'était pas créé par Lucifer. He was not created by Lucifer. Il n'y avait aucun rapport entre lui et Lucifer. There was no way between him and Lucifer. Lucifer c'est un ange créé par Dieu au ciel là-bas. Lucifer was an angel created by God in heaven. Un corps céleste. A celestial flesh. Le serpent c'est un corps naturel créé dans l'ordre de la création naturelle. Serpent is a natural flesh created in the natural. Fine. De la même manière que Dieu a créé grenouille. The same way that God created the frog. Les têtards. Frog. Les yes. Poissons. Fish. Les animaux. Cattle. C'est de la même manière que Dieu a créé le serpent. The same way God created the serpent. Seulement lui était presque humain à 99%. Mostly, mainly was human being at 99%. Il était comme Adam, ça marchait comme ça. He was like Adam, walking on feet like il this. Il pouvait se saluer, ça va Adam? Like a great, are you okay Adam? Amen. Amen. Et le serpent avait sa femme. And the serpent had his wife. Parce que chaque être était créé mâle et femelle. It being was created male and female. Le seul problème ici, the only problem here, aujourd'hui nous n'avons plus l'espèce là que le serpent avait ou était dans le jardin d'Eden. Today we don't have the species the serpent was in the Eden garden. Ni son mâle,
ni sa femelle. The same way, male as well as female. Est-ce qu'on comprend bien? Yeah. Si on cherche dans le monde, if we search in the world, on ne trouvera plus le serpent comme il. On n'a même pas l'image à quoi il ressemblait. We never find even to see the image to what the serpent was looking like. Et pourquoi? Why? Justement, c'est parce qu'on l'a maudit. Justly because he has been cursed. Alors le jugement de Dieu sur lui a consisté à le déformer, nous l'avons dit le mec. Consiste him to disform it. We already said it on Wednesday. Amen. Amen. Ça a changé sa structure. It has changed its structure. On a enlevé le langage. We have removed language. On a enlevé l'intelligence. Remove intelligence. On a enlevé tout ce qui ressemblait à un humain. All what we resemble a human being. Et on l'a rendu cylindrique comme vous le voyez là. And we made him rolling the way you see. Amen. 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 C'est ça qui est arrivé. It will happen. Et quand on recherche à retrouver à quoi il ressemblait, on n'arrive pas. And when we try to look the way it was resembling, we never find it again. Satan, un esprit. Satan, a spirit. Est venu entrer dans le serpent. Has come to enter in the serpent. Et quand on dit ça, vous croyez qu'il est entré comment? And when we say so, how do you think he entered the serpent? Comme une charge qui descend du ciel, boom. Like a charge coming from the heaven, like boom. Commence peut-être. And the serpent start to shake like this? No. Une pensée. A thinking. Eve là. Eve. Comment tu la vois? How you see Eve? Elle même là. She. C'est comment? How you see? Elle est jolie, elle est she belle. Beautiful. Elle allait un peu causer avec. Go to chat with her. Je vais un peu la visiter. Hey, go visit her. Qu'est-ce que le serpent a eu comme? It was the serpent had like. Peut-être qu'il ne croyait même pas que c'est mal. Maybe it was not. Il ne savait même pas à quoi il ressemblera plus tard à cause de l'acte là. He knew not what it would resemble later because. Si Dieu lui avait montré. He could show him. Que la pensée qui te vient là. The thought is mine. Quand tu vas faire. When you do. Regarde à quoi tu vas ressembler. Look what you look like. Il n'avait pas fait. He never did. Il allait chasser les il will cast the devil. Il est venu lui dire va voir Eve. Satan go to see Eve. Mais il ne pouvait pas, il ne savait pas. He could not, he don't. La pensée est venue. The thought came. Et il a eu le courage. And he was courageous. Il est arrivé chez Eve. And went to Eve. Et il a dragué Eve. And he had charged. C'est ça le vrai terme. The true. Et quand il a dragué Eve, when he charged Eve, Eve a succombé par curiosité. And she fell by curiosity. Parce qu'il est arrivé au moment des sensations. She entered the moment of jurisdiction. Eve n'en sensation. Pouvait plus, elle a succombé dans son esprit. And she could not resist, and she il fell. Il a troublé ses pensées. It tormented her thoughts. Eve est tombée dans la chose. And she fell in the thing. Et quand ceci a été fait, when this was done, c'est ce qui a donné ce qu'on appelle semence. Du serpent. It's what happened, what gave what we call. C'est pas une semence spirituelle. It's not a spiritual seed. C'est les germes naturels que tout humain a. The natural germ you each human being has. Qui vient entrer dans une femme là. Coming to enter in a woman. C'est ça que le serpent avait. It was a serpent had. Et c'est ça Caïn, l'être humain Caïn. Human being Caïn. Maintenant, Caïn. Caïn. Lui, il était à 99, virgule encore, je pense 9. Cain was 99.9% human. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a Eve qui est parfaitement humaine. There's Eve perfectly human. Et son papa serpent qui est à 99%. And a father serpent 99%. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Vous avez quelques petits pourcentages qui manquent là. You just had some percentages missing. Donc la semence du serpent c'est un homme. Serpent seed is a human being. Que le serpent a eu dans un rapport sexuel naturel sur la terre. The serpent had in a natural sexual intercourse. Le serpent c'est une créature normale. Serpent is normal creature. Existant dans la lignée des créatures. Existing in the line of creatures. Lucifer, c'est un ange de lumière créé par Dieu. Is the angel of light created by God? Qui s'est rebellé? We went into rebellion. Et qui est venu séduire les serpents? Who came to seduce the serpent? Inspirer les serpents? Inspire the serpent. Et ce dernier a séduit Eve. And this one seduced Eve. C'est comme ça que le péché est entré dans le monde. It's the same way sin entered in the world. Et c'est de là qu'est venu le premier jugement. It's from there came the first judgment. Adam, pourquoi tu as écouté Eve? Adam, why you listen to Eve? À cause de cela, because of that, tu vas manger par la sueur de ton front. You will eat by the sweat of your forehead. Donc, quand vous prenez Adam, Dieu ne le maudit pas. When you take Adam, God never curses him. Il dit tu vas travailler. You will work hard. Et puis il ajoute, and he adds, tu vas mourir. You will die.
Tu es tiré de la terre. You are from the earth. Tu retournes à la terre. Down back. Amen. Amen. C'est ça la punition qu'il donne à Adam. It's the punishment given to Adam. Je t'avais créé pour être éternel dans ce corps. I created you for to be everlasting in this flesh. Comme tu as écouté ta femme. As you listen to your wife. Tu vas mourir. You will die. Et que Dieu a dit ça. As God said so. Sa parole a amené un pouvoir de péremption. His power brought power of corruption. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le pouvoir là est venu dans le corps humain. The power came in human flesh. Et a changé le fonctionnement de l'éternité. It changed functioning of the flesh. Dans un fonctionnement de limites. In functioning of limits. Et du coup, les muscles ont commencé à se fatiguer. Muscles started to be tired. Et du coup, la vieillesse s'est installée. Elderness started to install. Amen. Amen. Et non seulement dans Adam, not only in Eden, mais dans tout l'univers, c'est venu en même temps. All the universe it has come. Arbre, poisson, fishes. C'est pourquoi Dieu est trop grand. When God is so il faut great. Le craindre, l'aimer, le respecter. God and respect it. Il n'est pas allé dans trop de détails. He not going into il a dit seulement Adam. He said just. Comme tu étais tiré de la terre, as you are from the earth, tu retourneras à la terre. You turn back comme Adam est le chef de toute l'humanité, as he is the chief of all humanity, si lui peut mourir, if he might die, donc les animaux doivent mourir aussi. Animals, les poissons, all the rest, les étoiles, all tout, the rest, fishes. Tout. C'est fini en même temps. Finish the same time. Amen. Puis il dit, tu dois travailler pour manger. And say you must work. Alors qu'au départ, Adam ne devait jamais travailler pour manger. Became, from the beginning, he could never work to eat. Quand il regarde la femme, when he looked wife, il dit, je vais augmenter les douleurs. I will multiply your sorrow. C'est your la sorrow. Contraction des muscles. The contraction of your muscles. Et la femme gémit comme douleur pour enfanter. And woman is non, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé ça. And the Spirit of God that created. Amen. Amen. C'est ça la punition. That's the punishment. Et il ajoute, and he adds, tu seras en bas, Adam en haut. You will be down, Adam up. C'est ça qu'on appelle, and what we call, Dieu changea alliance. God changed covenant. Alliance veut dire, covenant means, le premier accord, first agreement, entre Dieu et Adam et Eve, between Eve, God and Adam and Eve, c'est l'égalité, was equality. Vous tous deux, vous êtes des chefs. Both of you are chief. Personne n'est supérieur à l'autre. Nobody is superior to another. Amen. Amen. Mais quand Eve a écouté le serpent, when Eve listened to the serpent, elle dit maintenant toi la femme tu descends. God said now women you come down. Maintenant toi tu dépends de l'homme mais l'homme ne dépend pas de now toi. Now you depend on your man but now never depend on et you. Et du coup l'homme lui doit maintenant être chef sur toi. And now the man must be chief. Chief upon you. Amen. Amen. Non, refuser cela, c'est refuser l'ordre de Dieu. And refuse it, refuse all of God. Et c'est ça qu'on appelle deuxième alliance. And what we call second covenant. Et cette deuxième alliance est liée aux douleurs de l'enfantement. This second covenant is bound to birth pains. C'est lié à la reproduction par le sexe. Bound to reproduction by sex. Amen. Amen. Et c'est à partir de là. It's from there. Et frère Branham dit même la polygamie a été introduite. Brother Branham said even polygamy was introduced. Un mâle avec plusieurs. A male with plenty females. Toutes ces choses-là sont liées ensemble. All those things are gathered together. À partir de ce jugement-là. From this judgment. Amen. Amen. Quand on a jugé Eve. When Eve was judged. C'est ça qui est arrivé. And what happened? Quand on a jugé Adam. When Adam was judged. Travailler, tu vas mourir. Work will die. Quand on juge le serpent. When we judge the serpent. On le déforme complètement de son être. We change completely his form. Je vous pose encore la question. I ask you the question. Où again. Est affaire de Jésus dans tout ça là? Where is the business of Jesus inside? In this. Lisons l'exposé de cette âge de l'église. Let us read the sermon. Exposition je vais tout faire dans deux heures terminer ça. I want to make an effort. Mais je veux que ça soit bien retenu. I want you to bien enregistré et bien publié. Yes, I want it to be clear. Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin Genèse 3, 15. Notice what God said to them in the Eden Garden. Genesis 3. Verse 15. C'est page 99, premier alinéa. Page 99, first hyphen. J'ai envoyé ça à la fin. I put it to the end. À la fin, déjà, j'ai envoyé ça. Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin. Notice what God told them in the garden. Genèse 3, 15. Genesis 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. And I will put enmity between you and the woman. Entre ta postérité et sa postérité. And between your seed and her seed.
Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. And it shall break your head and you shall bruise its heel. Et vous savez ce que signifie écraser la tête. And you know what means bruise the head. Et vous savez ce que signifie mordre les talons. And you know what means bruise the heel. C'est ça qu'on appelle expiation. And what we call expiation. Quand les Romains ont tué Jésus, when Roman killed Jesus, à la croix, to the cross, et qu'ils ont percé ses côtes, le sang coula tout ça. And they had eaten his rib and his blood was shedding. C'est ça qu'on appelle. Is what we call mordre les talons. Bruise the heel. Dans le langage de Dieu. In the language of God. Maintenant, quand Jésus est mort, when Jesus was dead, il a écrasé la tête du serpent. He has bruised the head of the serpent. Parce que because il payait le prix du péché dans lequel le serpent dominait le monde avec. He was paying the price of the sin in which the serpent was ruling the world. C'est pourquoi Frère Branham dit meurtrir veut dire faire expiation. The reason why Frère Branham said bruise means make expiation. Et meurtrir bruise veut dire tuer Jésus. Kill Jesus. Le maltraiter. Mistreat. Et faire une expiation. Make expiation. Veut dire souffrir. Suffer. Porter sur soi une peine. Bear upon a burden. De douleur. Pain. Au nom de quelqu'un d'autre. In the name of somebody else. Pour que ce dernier soit dégagé de ses problèmes. For this man, please be removed from his burden. Amen. Amen. On comprend quelque chose? Do you understand something? Quand on dit Jésus a fait expiation pour nous when, à la croix. When you say Jesus made expiation for us in the cross. C'est-à-dire il a enduré des douleurs. He has suffered pains. De la mort. Death. Des insultes. Insults. Des frappes et consorts. Blockings and so forth. À notre place. In our place. In, on behalf quand of quelqu'un us. Fait ça, il fait expiation pour toi. When somebody does this, he's making your own expiation. C'est-à-dire, il porte ton karma à ta place. He's bearing your karma on your place, on your behalf. Est-ce qu'on comprend un peu? Do you understand? Chez les féticheurs. To the sorcerer. Il te donne le fétiche. He give you fetish. Il te donne les lois. He give you laws. À respecter. To respect. Puis tu lui dis. And you tell him. Oh, je ne pourrai pas réussir. Ah, I cannot find. Moi, je vais prendre ces lois-là à ta place. May I will take the law to your place. Alors paye-moi autant. Pay me this one. Et lui commence à subir ces lois-là à la place de la and personne. And start being victim of the law on your place. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça expier. C'est ce que Jésus a fait à la croix. It was expiate what Jesus did to the cross. Tu blesseras les talons. You bruise his si head. Nous acceptons la parole qui dit que la femme avait une postérité, if we accept the word that says the woman has a posterity, alors le serpent doit lui aussi avoir une postérité. So the serpent himself must he too have his posterity. Si la postérité de la femme était un fils mal conçu sans l'homme, if the posterity of the woman was a male man conceived without a man, alors la postérité du serpent doit correspondre au même modèle, so, c'est-à-dire que notre fils doit naître sans l'intervention de l'homme. So the posterity of the serpent must be the same model. Another boy must be born without a man intervention. C'est ce qu'on a dit mercredi. And what we said Wednesday. Adam n'est pas semence, Abel n'est pas semence de la femme. Abel is not a woman seed. Yes. Abel a un père. Abel has his father. Sa semence, c'est pas semence d'Adam. His father is Caïn a un père. Caïn has his father. Semence du serpent. Serpent son serpent est son papa. Serpent is mais daddy. Dieu dit à Ève, God said to ta semence yes, yes. Va se bagarrer. We struggle. Inanimité. Inimitié. Enmité. Avec celle du serpent. The serpent. Cette semence-là n'était pas là dans le jardin. That seed was not there in the garden. Amen. Amen. Et la semence de la femme-là. And the seed of that woman. Qui doit être en opposition avec la semence du serpent. That must be in opposition with the serpent seed. Doit être des semences différentes. They must be. There must be two different seeds. Ça ne peut pas être semblable et être en inimitié. They cannot be likewise and be enmity. No. Je ne sais pas si vous me comprenez. I don't know if you understand. Yeah. La semence de Eve, la femme, the woman seed, et la semence du serpent, and the serpent seed, les deux sont des ennemis. Both are enemies. Ils ne s'entendent pas. They don't understand each other. C'est la raison pour laquelle Abel et Caïn ils ne se sont pas entendus. The reason why Abel and Caïn did not understand. Parce que Abel était en préfiguration, une semence de la femme. Abel was in prefiguration
woman seed. En ombre, en théâtre, en type. Est-ce que vous saisissez? In shadow, in theater, in type. You says it. Ils ne s'entendent pas. They can never understand. La semence de la femme, ce qui veut dire, ça vient de Dieu. La semence du serpent, ça vient du diable. Les deux ne peuvent pas s'entendre. The woman seed, what means is she comes from God, and the serpent seed, that means it comes from the devil. Both can never understand. Amen. Amen. Ça, ce sont des choses qu'il faut mémoriser. There's a thing we have to bear in our mind. Caïn est venu par un serpent. By a serpent. 99%. 99%. Était un homme. Being a man being. Ce qui veut dire, what mean? C'est un homme qui est né sans l'homme. Is a man born without Caïn, man. C'est un fils qui est mis au monde par un être qui n'est pas un homme. Caïn is a son born by a human being who is not almost a man. Qui est à 99% un homme. Est-ce qu'on se comprend? 99% a human being. Maintenant, Frère Branham dit, la semence de la femme doit correspondre au même modèle. The woman seed must correspond the same model. Cela veut dire, amen, avoir un fils, have a son, comme Caïn. Like Caïn. Comment? How? Qui ne vient pas d'un être humain. Does not come from human being. Satan a pour lui déjà Caïn. Satan has his own Caïn. Sans l'être humain. Without human being. Parce qu'il a utilisé le serpent qui n'est pas l'être humain à 100%. Going to use a serpent who is not human being 99%. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. I don't know if you catch it. Yes, yes. Maintenant. Now. Caïn. Caïn. Il n'est pas à 100% un homme. He's not 100% human. Donc, being. Son papa n'est pas humain. So that is not human being. Mais c'est un être humain à moitié. But it's human being almost half. Maintenant, now, Dieu doit créer une autre semence. God must create another pour faire face à Caïn. To face Caïn. Et cette semence qu'il doit créer, that says it selon must create, Frère Branham, according to Branham, ne doit pas venir d'un humain par le sexe. Must not come from human being by c'est pourquoi ce n'est pas Abel. That is why not Abel. Il faut que, c'est pourquoi il dit ça doit correspondre au même modèle. That's why I say it must correspond the same correspondre model. Au même modèle veut dire correspond the same model, venir man. Sans l'aide d'un être humain, can sans sexe. Without the help of human being, without sex. Maintenant regardez quand il descend. Now look when he comes down. Aucun étudiant de la Bible, no Bible reader, n'ignore que la postérité de la femme c'était le Christ. Ignore the posterity of woman was Christ. Aucun étudiant de la Bible, no student of the Bible. Aucun étudiant de la Bible, no student of the Bible. N'ignore. Ignore. N'ignore. Ignore. Que la postérité, la semence de la that femme. That seed, the qui woman doit seed. S'opposer à Caïn. That must be opposite to qui Caïn. Qui doit s'opposer à la semence du that serpent. That must be opposite to the serpent seed. Selon Frère Branham. According aucun to Brother Branham. Aucun étudiant de la Bible n'ignore que cette semence-là. No Bible reader ignore that this seed. C'était Christ. Is Christ. Qui est venu au moyen de Dieu. That came by the way of God. Sans relation charnelle humaine. Without sex. Il est également bien connu que l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix. It was already known that the prophecy saying that he will bruise the serpent by his heel was a prophecy that will be fulfilled against Satan at the cross. Quand Dieu dit, when God says, serpent, serpent, tu es maudit. You are cursed. D'ailleurs, je vais mettre l'opposition entre ta semence. I'll put enmity between your seed. Et la semence de la femme. And the woman's seed. Dieu voyait déjà la croix. God was looking in the sea already. Il voyait pas là-bas. We're looking there. C'est pourquoi faites attention quand lui parle. Il est dans le passé, dans le futur. Pay attention when God speaks. Lui, c'est un Jésus. Donc yes. In a, at the same time, past, present, future. Jésus. Jesus. Quand lui est venu. When he came. Sans sexe. Without sex. Conçu par Marie, sans sexe. Conceived by Mary, without sex. Il doit être un moyen. It must be a way. Selon Frère Branham et la Bible. According to Frère Branham and the Bible. Que Dieu s'est donné. God gave him. Pour à donner à une Marie, à une femme, une semence.
to give to a wife a seed. Frère Branham va loin dans ses enseignements. Frère Branham goes further in his teaching. Il dit que Marie était la femme de la foi d'Abraham. Mary was the wife of the faith of Abraham. Il dit que Marie était la troisième femme d'Abraham. Mary was the first bride of Abraham. Parce qu'elle était un type de la vraie épouse. She was a type of the true bride. Qui croit la parole sans raisonner. That believed the word without reasoning. Au même titre qu'Abraham. The same way that Abraham. Tu veux avoir un garçon. You want to have a boy. Amen. Amen. The same way. Yes. Sir. On dit à Marie. Mary is saying, tu vas concevoir. You shall conceive. Marie dit, comment cela est possible? Mary said, how is it possible? L'ange dit, Dieu va te donner un enfant. The angel said, God will give you a boy. Marie répond, que cela me soit fait selon ta volonté. Mary answered, let it be so according to your will. Amen. Amen. Ce qui veut dire, Marie a conçu. Un corps est créé dans le sein de Marie. What means Mary conceived? A body has been created in the bosom. Est-ce que ce corps créé dans le sein de Marie, c'est le serpent? Is a body created in the bosom of Mary? Est-ce que Dieu vient créer pour la deuxième fois un serpent dans le sein de Marie? No. And God created for the second time a serpent in the bosom of Mary. Sans rapport sexuel. Without sex. Pour obtenir quoi? To obtain what? Quoi? To obtain what? Personne, aucun étudiant de la Bible n'ignore que la postérité de la femme était le Christ. No Bible reader ignore that postérité of wife was the Christ. Qui est venu au moyen de Dieu. Who came by the way of God. Sans relation charnelle humaine. Without sex. Il est également bien connu que l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan. The prophecy telling that the head of the serpent will be bruised was a prophecy that was referring to what Jesus would fulfill to the cross. C'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan. It's at the cross Christ will bruise the head of the serpent. Alors que Satan meurtrirait les talons du Seigneur. Meanwhile, Satan will bruise the heel of the Lord. Deuxième alinéa, page 99. Second iPhone, page 90, exposition of seven church exposé ages. Exposition de l'Église. Exposition of seven church ages. Ok, ça y est aussi au tableau. Yes. Ces passages bibliques. Yes, biblical passage. Et la révélation qui montre comment la semence littérale du serpent a été mise en terre. Yes, the passage that show literally how the seed of Satan has been buried. Quel passage? Which passage? Genèse 3. Genesis 3. 13 et tout ça là. 13. Ta semence et sa semence. Ça, c'est la description dans la Bible de la semence du serpent. That is the description in the Bible of the serpent seed. Dieu dit au serpent, God ta semence, ta semence. Your seed, your ce que tu as mis à Ève là, what you put in pas un fruit, no fruit, mais un humain que Ève a conçu de toi là. But a human being, Eve conceived from you. Il va s'opposer à une semence que moi je vais donner à Ève. He will oppose. He will be opposed to a seed I will give to Eve. Maintenant, frère Branham nous dit. Many ask us, si tu veux trouver les versets bibliques, if you want to find out the biblical verse, pour voir où on décrit la semence du serpent, to see the place we describe the serpent, tu peux lire Genèse chapitre 3. We may just read Genesis chapter 3. C'est qu'on venait de lire ici. What we just coming to read. Maintenant il avance. Now it goes forward. Si tu veux maintenant connaître la semence de la femme que Dieu disait là. If you want to know the woman seed God was talking son about. Son verset biblique. The Bible confess. Il dit de même nous avons le récit Luc chapitre 1 verset 26. The same way we have the report Luke 1 verse 26. Lui décrit une autre semence. He described another seed. Il est exposé avec précision, given with precision comment la semence de la femme how the seed, the woman seed, a été manifestée physiquement sans l'intervention d'un homme. Was manifest physically without intervention of human being. Au sixième mois, to the sixth, l'ange Gabriel, angel fut Gabriel, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, was sent by God in the city of Galilee,
appelé Nazareth, called Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme, around a virgin fiancée to a man, de la maison de David nommé Joseph, to the house of David called Joseph. Le nom de la vierge était Marie. The name of the virgin was Mary. Est-ce que ce verset est vrai? Is that verse true? Si ce verset est vrai, if that verse is true, Jésus-Christ, Jesus Christ, fils de Marie, son of Mary, c'est un produit que Dieu a créé avec Marie sans le rapport sexuel. It's a produce created by God with Mary without sex. Et sa place, a place, c'est être dans la lignée de la semence de la femme. Be in the line of the woman's seed. Mais pas dans la perfection, not in perfection, parce que lui-même joue un rôle d'une ombre, yes, comme Abel aussi fit une ombre. Himself play role of a shadow, like Abel himself. Parce que la mission n'est pas encore finie. The mission is not yet finished because. Amen. Amen. Je ne vois pas dans la parole. I don't see it anywhere. Comment l'histoire de Gabriel? How the story of Gabriel? Allant chez Marie. Going to Mary. Va devenir un gros mensonge biblique. Will become a great biblical liar. Parce que si quelqu'un dit, if somebody que says, Jésus est conçu sans Dieu, Jesus was conceived without God. Si quelqu'un dit que Jésus est un serpent, if somebody says Jesus was a serpent, ou il est semence du serpent, or serpent seed, il veut absolument dire que Jésus a une maman naturelle, he may naturally Jesus has a natural un père naturel, and a natural father. Si lui-même est le serpent, himself is a serpent, c'est un événement grave. A great, parce que le serpent étant déjà maudit, serpent being already cursed, il est reptile. Is a reptile. Là maintenant, on voit Jésus debout. We see Jesus on ce qui veut dire on a enlevé la malédiction. That means we are removed the curse. Si on a enlevé la malédiction, if we are removed the curse, pour le ramener debout sur ce dernier, puis on ramène la malédiction à la croix. And we bring back the curse c'est to the cross. Tellement de bêtises. It's so nonsense. Et vous me dites d'appeler quelqu'un comme ça un frère. And you want to call such a person a brother. And you want I to call such a person a brother. Je cherche des amis. Because I'm searching friends. Ce sont des maudits. They are cursed ones. Quelqu'un qui prêche ces sottises, c'est un maudit. Somebody preaching such rubbish is a cursed one. Comment Jésus? How can Jesus become serpent? Quand on prêche ces précisions, when we preach on dit non, precisions, pourquoi vous parlez de ça là? C'est pas bien. Why are you talking about this? Pourquoi why? C'est pas bien. I... Non, parce que ça prouve que vous n'aimez pas Branham. Why? Because he proved that ça prouve que vous aimez Jésus. He proved that you love Jesus. Espèce de des animaux spirituels. Brood of spiritual animals. La semence de la femme. The woman says, sans sexe. Without sex. Histoire de Marie. Story of Mary. Moi, je ne peux pas comprendre que Dieu puisse mentir. I can understand God is lying. Dans la Bible. In the Bible. Oh, on a envoyé Gabriel. Oh, yes, on a dit Marie, bonjour. Marie, il faut Marie. Qu'on enlève les versets là dans la Bible. Selon la doctrine de nos frères au Congo là-bas et qu'on sort. Yeah, we must remove the verse. Ce sont les satanistes. They are satanists. Mais déguisés en branhamistes. Les frères, c'est les satanistes des États-Unis là. The brother is the satanist of les adorateurs de Lucifer. Worshipper of mais Lucifer. Ils l'adorent dans le nom de Branham. They worship him in the name of Branham. Et la preuve, pro, c'est la déformation des Écritures. They are disforming the scripture. Ça là. Yes. Même sans église, dans ma chambre, je parle ça en direct. Et aujourd'hui, là, tout le monde allait direct. Où est le problème? Without church in my bedroom, I preach online. Oh, frère Zoé, ce qui te fait parler, c'est parce que tu as le croyant ou bien église. Non, même sans église. Hey, brother Zoé, what made me preach? Because you même have sans argent. Si j'ai seulement ma conscience là, if I'm conscious, avec I'll un preach. Petit téléphone là, you small je phone. Vais me tenir là et je vais parler. I'll stand there and preach. Et maudire ces gens-là. And curse et tous les jours de ma vie, moi, je veux que maudire ces gens-là. All the day, voilà, I'll curse. Quand vous ne voulez pas la malédiction, alors vous curse, devez vous repentir de ces bêtises-là. Repent of this nonsense. Amen. Repent from the rubbish. Le nom de Vierge Marie, etc. Virgin Mary, and all.
Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Pas fils du serpent. Son of the Most High, not son of the serpent. Fils du Très-Haut. Son of the Most High. C'est Dieu ou c'est les frères là? Oh, it's lying, God or the brethren? Seigneur Dieu lui donnera le nom du trône de David, son père. Il régnera la maison de Jacob, etc. Son règne n'aura point de fin. His reign will be endless. Et l'Esprit viendra sur toi, le Très-Haut te couvrira, etc. And the Spirit will come upon you until tout comme la postérité de la femme était littéralement Dieu qui s'est reproduit dans la chair humaine. As the posterity of the woman was literally God reproduced in human flesh. Et même la postérité du serpent est précisément le moyen que Satan a trouvé pour s'introduire dans la race humaine. The same the serpent used his seed to introduce in human race. Il était impossible à Satan, qui n'est qu'un être esprit créé, de se reproduire de la manière dont Dieu se reproduit. It was impossible for Satan to be reproduced as a spirit to be the same way God reproduced. La Genèse nous raconte donc comment il a produit sa semence et s'est introduit, c'est-à-dire injecté dans la race humaine. So the book of Genesis gave us the report the way he has introduced himself in the human race. Dans le jardin d'Eden, Jésus n'était pas là. In the garden, Jesus was not there. Jésus n'était pas dans le jardin d'Eden. He was not in the garden. Ni du côté d'Adam. Nobody signed Adam, côté de, nobody signed or the serpent. S'il était là-bas, if he was there, c'est par l'esprit. By the spirit. C'est pourquoi quand Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même, Jesus Christ à l'exception du corps. Except in il dit, flesh, c'est lui qui était en Abel, en Adam. In Abel. Ça, c'est le Logos qui était là. Yes, it's the Logos. Quand Frère Branham dit, when Brother Branham Jésus said, était l'arbre de la vie dans le jardin d'Eden, Jesus was the tree of life in Eden garden. Il parle du Logos dans Adam. He's talking about the Logos in Adam. Mais l'arbre parlant d'un être humain, l'arbre de la vie, c'est Adam, l'homme but Adam. The tree, talking about the tree of life, is Adam. C'est pas un arbre naturel qu'on appelle l'arbre de vie. Ça est où dans le monde là? It's not a natural tree called a tree of life. Where is it? Where can you find it in the world? Le jardin d'Eden était en Égypte. Eden garden was. Où est-ce qu'on peut aller dans l'Égypte pour trouver un arbre de vie là-bas? What place can we go in Egypt find a tree of life? Parce que chaque arbre doit se reproduire selon son espèce. A tree must reproduce according to its species. S'il y avait un arbre de vie dans le jardin d'Eden, if there is a tree of life, qu'on pouvait manger et avoir la vie, we could eat and have life. Il faut qu'on retrouve l'arbre là aujourd'hui encore. We must find this tree today, again, still. S'il y avait un arbre dans le jardin d'Eden, a tree in la connaissance du bien et du mal, to know true and evil, quand tu le manges, when you eat ça te donne la connaissance, you have et ça te donne la mort. And it gives you death. Et comme chaque arbre doit se reproduire selon son espèce, as each tree must reproduce according to species, il faut aujourd'hui là, we need today, on voit un arbre de la connaissance du bien et du mal, on le mange et puis on meurt. To see the tree or not, good and evil, we eat of it and we die. Amen. Amen. Quand le serpent, when the serpent s'est uni à Ève, gathered with Eve, en dehors de la volonté de Dieu, outside the will of God, Ève était devenue un arbre de la connaissance du bien et du mal. Eve has become a tree of knowledge of good and evil. En devenant une seule chair avec le serpent par l'acte sexuel qu'ils ont commis. Becoming one flesh with the serpent by the sexual contact they had. Et chaque fois qu'un homme mange la femme, each time the man eats dans, of the dans woman, le même ordre de d'onction, in the same anointment, ça doit donner la mort. It must give death. Et chaque fois qu'un homme mange l'homme, each time a man eats dans le respect du principe de la vie, de la in parole, the respect of the principle ça of doit life, lui donner la vie. It must give chaque semence life doit se reproduire selon son espèce jusqu'à présent. Each species must be reproduced according to its species. Amen. Until today, each tree. Yeah. Remarquez. Notice something. Donc les deux se sont reproduits dans la chair. Both reproduced in the flesh. Dieu plus tard, God, later, Satan, lui, depuis la Genèse,
Satan is from Genesis. Dans la Genèse, Dieu n'avait qu'Adam comme une chair humaine. In Genesis, God had just Adam like human. Mais Adam s'est corrompu avec Eve. But Adam corrupted with Donc Eve. Dieu ne pouvait plus espérer quelque chose par Adam. God could never hope something with Adam. Par sa lignée, c'était souillé. By his line, it was already deceived. C'est pourquoi quand il parle de l'avenir de la semence de la femme, when he talk about the coming of the woman's seed, Dieu projette ses pensées avec la puissance créatrice pour créer un autre être humain. God is projecting his thought with a power to create another human Et being. Et on l'appelle semence de la femme. And it's called woman's seed. Parce que femme qui naturellement n'a pas de semence. Because woman naturally don't have a seed. Du coup, on crée une semence. So we create one seed somewhere. On vient lui donner ça dans sa matrice là. And we put it in the matrix. Et c'est ce que Marie a vécu. And what Mary have lived. C'était une femme enceinte mais vierge. She was a woman pregnant but virgin. Amen. Yeah. C'est ça l'explication naturelle de la semence de la femme. This is natural explanation of woman seed. Parce que naturellement la femme a les œufs. Naturally woman bear eggs. Elle n'a pas sperme, les germes, non. She doesn't have sperm. Mais quand no. on dit semence de la femme, c'est-à-dire qu'on a mis les germes dans ces ailes-là. I mean, we have put germs in their eggs. Et c'est Dieu le créateur qui a fait ça. And it's God the creator who did it. Amen. Amen. Et ça, ça n'a rien à voir avec les serpents ni les diables. It has nothing to have the serpent or the devil. Page 100. Page 100. Vous pouvez continuer la lecture, je saute ça parce que je vais être direct. Avant même qu'Adam ait une connaissance charnelle d'Ève, before Adam have a flesh, you know, of Eve, le serpent l'avait précédé et Caïn qui est né de cette relation était conçu du malin. And Caïn was coming from this relation was son of the devil. Et tout ce qu'on est en train de dire ici. What we are Je prends page 101. I'm taking page 101. Satan a toujours si cela. Satan always know it. Lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait. He too wants to dwell in human being as God is doing. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. But God gave this right for himself. Satan ne peut pas faire cela. Satan can never do it. Dieu est apparu dans la chair humaine. As appeared in human flesh. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Satan could not and cannot do it. Il n'a pas le pouvoir de créer. He has no power to create. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden. The only way for Satan to do what he wanted is to enter in Satan in Eve in Eden. Entrer dans le serpent en Éden. Enter in the serpent in Eden. Tout comme il est entré dans le porceau à Gadara par les moyens de mauvais esprits. The same, he has entered in the pig at Gadara by the way of bad spirits. Dieu n'entre pas dans les animaux. God never enters in animals. Mais Satan peut le faire et il le fait. But Satan can do it and he does it. Pour arriver à ses fins. To reach his purposes. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement comme Dieu l'a fait avec Marie. He could never have a son with God directly, as God did it with Mary. Il est donc entré dans le serpent. He has entered in the serpent. Satan ne pouvait pas aller chez Eve. Satan could never go to Eve. Eve conçoit. Eve conceived. Par ma puissance. By my power. Et puis Eve tombe enceinte. Non, and non, non, non. Eve fell pregnant. No. Non. Quand Satan a voulu avoir un humain, un when fils, Satan wanted to have a son, pour réaliser ça, to realize il it, a utilisé le serpent. He comme has used the serpent like we. Dieu lui, quand il a voulu avoir l'opposé du de Caïn, when God wanted to have the opposite of Caïn, pour réaliser ça, to realize il n'a plus utilisé Eve. He had not used Eve. Parce qu'Eve est déjà souillée. Eve is already deceived. Dieu vient utiliser Marie plus tard, 4000 ans plus tard. He came to use Mary later, 1000 years later. Et maintenant on a Jésus, now we have Jesus, semence de la femme, woman says, Caïn, serpent et tous. Caïn et sa semence. Caïn et ses seeds. Les semences du serpent. Serpent seed. Amen. Où est-ce que Jésus se retrouve maintenant avec les diables? On est en train de chercher ces connexions là. Where is dans la Jesus parole. Find himself to be devil? We are finding connection in the word. Satan entre dans les animaux. Dieu n'entre pas dans un animal. Satan enter in animal. God never enters. Si Jésus l'y met là.
If Jesus était une semence souillée du diable, was a deceived seed of Dieu ne pouvait pas entrer en lui. God could never enter in him. Pourquoi? Why? Parce que Dieu n'entre même pas dans ce qui est souillé. God never entered. What is it? Toi-même qui es là. Yo. Si ton cœur n'est pas disposé, il ne va pas entrer. If your heart is not disposed, it never enter in you. C'est pourquoi le sermon, l'agneau et la colombe. The reason of the sermon, dove and the lamb. L'esprit de la colombe, Dieu, entre dans là où il y a la nature douce de l'agneau. Where the place we can have. Quand un homme croit en Dieu que son âme est purifiée, when a man believes in God, his soul is Dieu peut venir entrer en lui. God can enter in him. Mais comment une semence du serpent, how a serpent peut servir à Dieu pour s'incarner dedans? They save God to be incarnate. Alors que Dieu a dit, me what God said, je ne veux ni offrande ni sacrifice. And I need no offering, mais je no cherche sacrifice. Un corps. By such a flesh, pour donner le prix du sang à la croix. To give price of blood. Alors, to the cross. Dieu qui refuse que celui qui va à la croix vienne par le sexe. God refusing the one going to the cross. Mais au moins, il refuse le sexe, mais au moins il prend Satan. But he refuses by becoming Satan. Non, vous avez rendu Dieu lui-même fou carrément. You make God become maniac. You make God become. Et tu vois un prédicateur qui ouvre les yeux comme ça. And you see a preacher opening eye like rempli de mauvais esprits. Full of bad spirits. Full of evil spirits. Nous, on n'est pas des poltrons. We are not. Si j'ai trouvé quelqu'un comme ça devant moi, oh, ce jour-là, il ne pourra pas dormir. If I find somebody like this, face to face, that day you never sleep again. Pour rien au monde, on va mourir le jour-là. We died. Même si tu me tues, mais ce que je te laisserai, toi qui restes en vie là, ça sera plus pur même que si tu étais mort. I will what I let you alive, it will be worse than if you were dead. Tout dérangé. All this. C'est-à-dire que on prend Dieu là, on le rend Dieu lui-même, on le rend fou. We make God go. C'est-à-dire que il fait des histoires dans lesquelles vous ne voyez, comprenez pas. Dieu, tu quittes où, tu vas où? We don't know where God going comes from. Et tout ce que tu nous disais avant là, tu jouais, what, tu mentais, tu faisais plaisanterie, tout c'était quoi? What was it? Et on fait le bruit, we make noise. On fait des débats, make on fait des émissions, we make pour émission. Des conneries, des bêtises, des sottises. Well, ce que fait maintenant appelle des niaiseries. Maman call nonsense. Saint et deux. 102. Arrivé là où nous en sommes, in the place we are, je voudrais fixer votre attention sur ce sujet pour que vous puissiez voir pourquoi il nous est nécessaire d'aborder la doctrine de la semence du serpent, comme je l'ai fait. I want to call your attention about the importance of the doctrine of serpent seed as I did. Nous commençons avec le fait qu'il y avait des arbres, des we arbres. Stand by the way au we have drawn trees in the midst of the l'arbre garden. De la vie était Jésus. Quel tree Jésus? Of life was c'est le logos qui était là-bas. The logos there. Incarné dans Adam. Incarné in Adam. Jésus fils de Marie n'était pas dans le jardin de Jésus son of Mary was not. Il n'est même pas encore né. Was not born. C'est pourquoi Jésus ne peut pas être dans le jardin d'Eden et être dit, oh, c'est le serpent. Non, serpent est créé là. Le Seigneur Jésus ne peut pas être dans le jardin d'Eden et dire, c'est le serpent. Non. Et un frère, soi-disant troisième exode, so-called brother, est venu sur notre page pour écrire cette connerie là. Came upon our page to write down this. Non, c'est nonsense. Jésus qui est allé en Sainte-Ève dans le jardin d'Eden. Et Jésus went to get pregnant to Eve in Eden Garden. Moi, je lui ai demandé, tu es malade. I told him, you are sick. Je lui ai répondu, tu es malade. You are sick. Go to hospital. Moi, je te respecte beaucoup. I respect you. Grand révérend. Grand révérend. Hey, révérend. Tu m'as déçu, hein. You deceive me. Tu m'as insulté. Yes, hey. Tu appelles ça insulte, ça. You call it insult. C'est que toi tu as dit là. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire devant Dieu? You know what? Est-ce que tu sais ce que tu dis de Dieu quand tu dis ça? You know what you say about God when he says so? Donc ce que vous faites, ce que vous dites de Dieu là, when avec les transgenres, LGBT, c'est la même chose. Transgender, I listen. C'est la même chose. Ce sont des LGBT spirituels, ces gens. Now. Transgenres, tout.
Amen. Quand vous voyez quelqu'un en train de parler de hausse, Jésus est serpent, c'est un LGBT. Spirituel. Is homosexual. C'est un pervers. Is a pervert. Amen. Amen. C'est un pervers. Is a pervert. Et quand tu le trouves, il faut lui ravir les photos de Frère Branham et les lier. When you find him, take off the picture of Branham and bind him. Prenons, avançons un peu pour terminer. Let us go for a while to finish. Prenez paragraphe 1er, le mariage et divorce. Take the sermon, marriage and divorce. Pour faire pause aujourd'hui. Yes, to make pause today. Nous connaissons déjà le serpent. We already know the serpent. C'est une créature. Il n'y a même pas à beaucoup raisonner. And the creator does not say. C'est un être humain. Is a being. À 99%. Human being. Si quelqu'un te demande. If somebody asks you. Le serpent ancien. Serpent, dans le jardin d'Eden. In garden. C'est qui? Who is it? Hein, ma soeur. My sister. Tu réponds. You answer. C'est un être humain. Is a human being. À 99%. Il human parle. Being. Talking. Il raisonne. Reasoning. Il connaît les choses de la vie. Knowing things of life. Il a une place pour une âme. He has place for us. Les grands détails. Great in height. Il est très beau. Beautiful. Je ne veux pas dire que tous ceux qui ont une taille un peu grande sont des serpents. I don't mean all the great men are serpents. Pour nous encourager, nous les petites tailles, non. We encourage our small boys, no. Mais on dit. What we say? La semence du serpent n'est the pas serpent n'a pas petite taille. Has no small eye. Si seulement quelqu'un vient du serpent, if somebody comes from a serpent, ne peut pas avoir petite taille. You know, dans ça c'est on parle du jardin d'Eden d'abord. Donc aujourd'hui ça peut venir. Tu peux venir même comme ça, même pygmée, c'est mal du serpent, c'est possible. Oui, mais avec même pygmies, c'est mal si. Ça n'y a pas de problème. No way, no way. Mais on dit, dans ce qu'on peut appeler l'original, quand il faut recouvrir, quand il faut suivre l'origine de la semence du serpent. Original serpent seed. C'est bachelor. Bachelor. Très beau. Beautiful. It's a bachelor. Beauté sans commencement, sans débat. Beauty without debate. C'est pas le haut, non, à peu près. Beautiful. Ou quand vous entendez les gens dire, entre guillemets, les S, en train de dire, ah, celle-là, je ne pouvais pas résister. Même quand même, regardez. Hey, you understand? Hey, sister, I cannot resist. C'est ça là dont on parle. We are not talking about this. Donc, enlevez dans votre tête un serpent, on dirait un gars. Non, 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 non. You move your head serpent like a guy like this. C'est un vrai mannequin, un vrai gaillard, un vrai monsieur. A great man. Le beau, le meilleur. Donc, faites attention avec la beauté. Pay attention with beauty. Parce que le diable séduit à 100% dans la beauté. Séduit. Amen. Amen. J'ai ici même des articles, suivez bien. I get here articles. Follow. Parce qu'on quitte le jardin de Dieu, on rentre ici. We are living ici here. En 2024. We are in 2024. Où se trouve le serpent aujourd'hui? Where can find the serpent today? Le 10 juin 2024. 2024. Nous ici à Abidjan ici, on veut voir le serpent. We want to see the serpent. Suivez. Follow. Mais vraiment, je ne veux pas dire, c'est, on va lire. We will read. C'est la Bible, ça va bien, tu me suis bien? Très bien. Suivons. Oui, follow. On est ensemble, n'est-ce pas? J'ai ici même des articles de journal. I have here newspapers. Où des femmes à l'ère actuelle et même dans les grands, certains grands diocèses de reproduction de la photo. Original. Where women here and send great
Churches of the original reproduction. Un serpent qui rampe sur la jambe d'une femme. A serpent crawling upon the leg of a woman. Dans les églises, dans les diocèses catholiques et certains trucs, il y a des dessins comme ça. Yes. In some churches, jolie femme assise. Beautiful woman. Et un serpent. A serpent around. Ouais. Il dit. Et la façon dont il s'enroule autour d'elle, the way he turned around her, elle éprouve toutes sortes de sensations. She is having any sort of sensation. Et tout quelque chose something qu'un homme ne pourrait jamais lui procurer avec cet énorme serpent qui s'enroule autour. Can never keep her with a big snake circling her. Vous suivez très bien? Je follow. Je ne vais pas trop aller en détail. Mais vous devez être attentif. Pay attention. Cette image-là, that image, avec serpent qui s'enroule, with the serpent, les serpents qui roulent autour de la jambe, serpents crawling around, procure à la femme, to woman, quelque chose, something, plus que tout ce qu'un homme peut lui donner sur la terre. More than all what a man can give. Parce que nous cherchons à connaître le serpent aujourd'hui. We want to know the serpent today. La première précision que vous devez retenir, precision, c'est quelqu'un somebody qui, quand il s'enroule sur la jambe, when roll on lui the donne leg, tout au-delà d'un tout. Yeah. Quand tu as tout avec toi là, au-dessus là. All pleasure. Vous devez chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut donner à la femme. We must know what we can do to woman. Comme le serpent, like the serpent, qui dépasse tout ce que l'on peut donner avant. Donc, cherchez la chose la plus grande. C'est le greatest thing. La dernière, la dernière sommité. The last sommité. Oh. Et mon âme avance. And it goes further. Et d'ailleurs, cette chose-là procure des sensations. Gives sensation. Et mon âme ajoute. And he adds. C'est l'exacte vérité. It is the exact. Et ça ne fait qu'empirer et ça deviendra pire. And it's getting worse. Le serpent, en effet, n'était pas. Il n'aurait pas pu avoir les rapports sexuels avec elle, puisqu'il était un serpent. Mais souvenez-vous. The serpent could never have sex with her as it was serpent. I remember. Parle yes. Un peu fort, parce que ça descend tellement que moi-même yes. J'ai risque de tomber aussi. J'ai eu un débat l'autre jour. I had a debate last day. Pas un débat, c'était seulement un ministre des Assemblées de Dieu, un associé. Not a debate, just minister of Assembly of God, an associate. Il fait Branham. Et il look Branham. J'étais dans l'erreur là-dessus. You are in a mistake. Then. J'ai dit, eh bien, c'est possible, j'aimerais que vous m'en parliez. I said, possible, talk about it. Alors, il est allé de l'avant, il s'est mis à m'en parler. He has gone to talk about it. Pour commencer, vous savez, il s'est perdu. To begin, he lost. Il a commencé à m'envoyer. When he started to speak, he lost. Et une chose qu'il a dit, il a dit, frère Branham, he said, brother, où se trouve cette espèce? Where is that species? Le serpent là. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est l'espèce là du serpent. The species of the serpent. On dirait la question qu'on m'avait demandé à Sorbonne là-bas. Mais voilà, the question. C'est quelle espèce du serpent même qui a ce serpent? What species of serpent? C'est mamba, c'est. Is it black mamba, viper? Alors que les humains ici sont une seule espèce. C'est les milliers qui sont allés habiter qui a transformé les blonds, les clairs, les albinos. The place, they want c'est to les microbes, ce sont les choses qui se développent. They are developing. Amen. Amen. On peut quitter d'une seule espèce. Mainly from one species. Les forêts d'hiver avec les climats, ça donne les mamba verts, les mamba noirs. Climate will keep plenty species. Et tout ça, ça s'appelle un serpent. All this is called serpent. Amen. Amen. Il avance. And he goes forward. Où est-ce qu'on peut trouver cette espèce aujourd'hui? Where can we can find that species today? Dieu a dit. God said. Chaque espèce. Each species. Va se reproduire, hein? My reproduction. Frère Branham, montre-nous l'espèce qui a dans la reproduction aujourd'hui. This species, this reproduction today. Où est ça? Where is it today? Il dit. Il était entre l'homme et l'animal, là, la espèce-là.
La science n'arrive pas à retrouver maintenant. Où se trouve-t-elle, frère Branham? Tu as dit, c'est les chaînons manquants, tout ça, c'est bon. Elle se trouve où? Where can you find it today? Où se trouve Descendé? L'animal en question. The animal. Dieu a dit que tout se reproduit selon son espèce. God said all must reproduce according to species. Frère Branham a eu d'abord un choc. Vraiment, was shocked first. Jusqu'à, il a fait même une prière. And he made a prayer. Oh Dieu, il faut venir à mon aide. Hein? God, come help me. Tu avais dit que quand vous serez devant les gens, vous ne manquerez pas quoi leur répondre. Before people, viens m'aider. Come help me. Tu. J'ai attendu un petit instant. I wait a moment. Et là, et dans la douceur du Saint-Esprit, in the spirit of the Holy Ghost, Dieu lui a dit, dis-lui, tell him, il est ici. He is there. Le serpent là ici. The serpent is there. Eh bien, d'abord j'ai dit, eh bien, said, il peut avoir changé. He may have changed. Il a dit, frère madame, dit à la femme, le serpent ici, mais doit avoir changé. Serpent, yes, je me suis répliqué. Mais frère Branham, nous parlons de la parole, n'est-ce pas? We are talking about the chaque semence doit se reproduire. Tu dis quoi encore? Il change quoi? Montrez l'espèce là. Show us the species. J'ai dit absolument. I say absolutely. J'ai dit, bon, bien entendu. For sure. Ils disent les dinosaures, mammouths, tout ça. Dinosaures, mammouths. Frère Branham, nous parlons de la parole. We are talking about the word. Si c'est le péché originel là-bas, là, alors le péché originel devrait être ici aussi. The original sin must be here. Le péché qui était commis dans le jardin dedans, on veut voir ça ici. The sin committed in the garden, we want to see it. Avec here. Le même espèce du serpent là. With the same species of the serpent. Parce que les avocats qui étaient dans le jardin dedans sont là. The lawyer in the garden. Les oranges qui étaient là-bas sont ici. The orange are there. Adam qui était là-bas est ici dans les jardins. The same here. Eve est là. It is, it où est le serpent là ici? Where is the serpent here? Huh? J'ai dit. Assez. Seigneur Jésus, tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz quand vous comparaîtrez devant les hommes. Lord Jesus, don't be troubled concerning where we be before parce people. Que cela vous sera donné à l'heure même. Give Seigneur, que dois-je dire? Lord, what am I going to say? Pas question facile. No, c'est question. Frère madame a fait prier, mais ça ne sait pas que l'homme est en train de prier pour avoir la réponse. The man not knowing, the man is praying to get answer. Que dois-je dire? What am I saying? Et Dieu réplique. God replied. Dis-lui, il est ici. Tell him he's there. Jésus, il est où? Frère madame dit, exactement comme je vois des visions à l'estrade. Exactly as I see vision in the portal. La vision est venue. Vision came. Ah, le serpent, c'est lui qui est là. This is the serpent, yeah. La vie. He has seen the serpent. Quand il a vu le regard le monsieur, he looked at the man, il dit, and he said, je vois des visions. J'ai dit, il a répliqué à la monsieur, il est ici. He is there. Il est ici. Maintenant, sans savoir où, hein. Without et le monsieur n'a pas t'a dit où. Well, il est où. Mais là, where is it? Where. Avant même que j'aie eu le temps de réfléchir, before I had time to Dieu pray, lui dit, tu lui, c'est le serpent. God tell is the serpent. C'est le serpent. It's the serpent. Et frère Branham ajoute, c'est exactement ce qu'il en était. It was exactly what it was. L'espèce ancienne. The old qui avait fait l'acte là. That is the action. Aujourd'hui là. Today. C'est le serpent là. It is serpent. Qui existe ici. Ici existing here. C'est ce qu'il en était. And what it was. Car. Because. Il n'est plus une bête. It is no more a beast. Il a été maudit et condamné à être sur son ventre pour le reste de ses jours. Condemned to be upon his belly. Il est ici. Est-ce vrai? Here. L'assemblée dit Amen. The assembly say Amen. C'est-à-dire, le problème ici est que quand on a maudit le serpent, suivez très bien. When the serpent was cursed, on lui a dit, tu vas ramper. You'll crow. Je vais te couper les jambes. I'll cut your legs. Je vais te transformer. I'll transform tu vas ramper. You will grow. Et puis on ajoute, tu vas marcher sur ton ventre. And you will walk upon your belly. Et puis on ajoute, and we had, tu vas manger de la poussière. We eat of dust. Alors que c'est quelqu'un qui mange, qui aime un carnivore. Somebody who is flesh eater. Quelle poussière il mange? What dust is it? Et pourquoi il rampe sur la terre? Why is crawling upon him?
Il est ici. Yes, yes. Est-ce vrai? L'assemblée dit amen. Is it, assembly say amen? Et il ajoute, and he had, pour que vous puissiez saisir. You understand? Et encore, and then, à cause de cet acte qu'il a commis, because the action he has committed, ce même péché-là the same sin, exerce toujours son influence sur la femme. Et c'est excessive influence upon woman, frigile, comme un sexe mâle. Like a male sex. Comme ça. Like this. C'est alors qu'elle a les yeux qui tout, qui louche et tout. And at the same time, she has eyes. Quand elle éprouve des sensations qui vont au-delà de ce qu'un homme pourrait lui procurer. Above all a man can give. Je vais m'arrêter ici. Assemblée mixte, etc. Mixed assembly. Wow. Finish. Et en bas, il dit, je pourrais réunir les adultes et puis je vais les expliquer. And down, I will gather adults and explain to them. Explain to us. Amen. 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 Le serpent était déformé. The serpent was deformed. Jusqu'à devenir ce qu'il a fait. And to become what it is. Amen. Amen. C'est pourquoi il ressemble à cette chose-là. That is why it resembles that thing. Amen. Amen. Donc quand vous regardez le serpent, when you look at the serpent, sa tête head, et l'acte qu'il avait commis, and actually, ça se ressemble. They resemble. C'est pourquoi on a dit il est ici. Amen. We say he's there. Amen. Amen. Il est dans les arbres, c'est vrai. Maudit en train de ramper. Et chaque jour, il mange la poussière. Et après avoir mangé la poussière, une maternité ouvre les portes. Il mange la poussière. Une maternité. Amen. Je pense que vous avez compris. Amen. Avec Amen. Ça, this, c'est pour nous faire comprendre que le serpent qui était là-bas, qui a créé le chaînon manquant, serpent there creating the missing link. Pourquoi il a laissé le chaînon manquant? Why he has let it pass? Parce qu'il n'est plus revenu ce qu'il était pour que le maillon soit complet. He has not come back to become the one he was for the chain to be complete. Remarquez que vous quittez ici. Notice you leave avec par exemple grenouille. With a frog. Vous allez jusqu'à reach. Adam est ici. Adam is there. Il y a chimpanzé quelque part. There's chimpanzee somewhere. Gorille. Gorilla. Mais ici c'est la place du serpent. Yeah, the place of the serpent. Lui il vient juste avant Adam. Just before Adam. Maintenant quand on l'a maudit, when he has cursed, il a laissé le vide là. He has removed, he has let down a void. C'est le vide là qu'on appelle chaînon manquant. It's the void we call missing link. Et pourquoi le vide continue à être là? Why the void still continues? Parce que lui est devenu un reptile, non? He has become a reptile. C'est pas comme ça qu'il est? Yeah. Vrai ou faux? Yeah. Amen. Amen. C'est pas comme ça qu'il est. Isn't the way it is? Donc, il a même la forme. He has the form. Du microscope. Oh, the microscope. Quand on regarde dans le microscope. Yeah, when we look in the microscope, yes. Amen. 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 Vrai ou faux? Yes. Yeah. Amen. 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 Donc dès qu'un homme est circoncis, when a man is avec le serpent, ça marche ensemble. When the serpent is together. Et toutes les réactions du serpent, reaction c'est la serpent, même chose qu'un homme produit pour mettre au monde. A man produce to give birth. Amen. Amen. Et les femmes Amen. Restent dans cette union avec le serpent. Amen. In that union with the serpent. C'est pourquoi le serpent séduit les églises dans le spirituel. Churches in spiritual. Donc le serpent aujourd'hui sur la terre est caché dans la pratique de la sexualité. In sexuality. Et il est dans la forêt in the bush, comme un être cylindrique. Like a snake. Mais où est Jésus dans ça là? Where is Jesus in this? Where is Jesus in this? Et c'est pourquoi on parle du jugement. That is why we're talking about judgment. Et les effets de la mort que cela a causé dans le jardin d'Eden à cause d'un acte sexuel, les mêmes effets sont encore là aussi. And the effect it does in Eden Garden because of the sexual contact are the same action consequences. N'est-ce pas vrai? Yeah. N'est-ce pas vrai? Isn't it? Yes. Prenez le serment, la puissance de Dieu pour la transformation. The same power of God for transforming. Paragraphe 53. Paragraph 53. Dans Genèse chapitre 4. In Genesis chapter 4. Verset 16.
Verse 16. Continue à raconter ici ce que Dieu a fait au commencement. Give the report of God in the beginning. Pour placer la malédiction sur l'homme et la femme. To place curse upon men and women. Et sur tout ce qu'il devait faire. Upon all what he must do. Pas une malédiction sur eux. Not a curse upon them. Mais leur dire ce qui arriverait. But tell them what will happen. Et l'un était de Satan. One was from Satan. Mais l'autre était de Dieu. The second one from God. Maintenant, vous dites, oh non, non. Say, oh no, no. Dieu n'a pas maudit Adam. Did not curse Adam. Il a maudit la terre. He has cursed the earth. Il dit, à cause de ton péché, because of your sin, la terre sera maudite. The earth will be cursed. Et la preuve que la terre est maudite, the proof the earth is cursed, elle va produire les ronces et les épines. Earth will produce thistles and thorns. Toi, Adam, tu vas mourir. Adam will die. Tu vas transpirer pour manger. The sweet to eat. Et à la fin, tu vas mourir après ton travail. At the end, you'll die after your work. Eve, toi, tu vas mettre au monde avec douleur. If you will give birth with pains. Prenez, montre-nous le Père, et cela nous suffit, paragraphe 78. Show us the Father, it suffices. Je prends paragraphe le milieu du paragraphe. 78, I'm taking the midst of the paragraph. Ils avaient tous de même péché, et cela les avait séparés de Dieu. Both of them have sinned, and it separated them from God. Et il se tenait là devant Dieu. And he was standing there before God. Et maintenant, regardez, il a dit, now notice, he said, Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme plutôt que Dieu, because you are listening to the voice of your wife rather than God, je t'ai tiré de la poussière de la terre et tu retourneras à la poussière de la terre. I took you from the dirt of the earth and you turn back from the dirt of the earth. La terre, yeah, il a dit, la terre sera maudite à cause de toi. Will be cursed by your sake. Des plantes rampantes et des ronces et tout y pousseront. Crawling plants and thorns and thistles will push. Et tous les jours de ta vie, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. On the days of your life, you will earn your food by the sweat of your forehead. Puis il a dit à Eve, parce que tu as écouté le serpent plutôt que ton mari. And he said to Eve, as you have listened to the serpent more than your husband. Tu as enlevé la vie de la terre. You have removed life from the earth. Tu ramèneras la vie sur la terre. You bring my life upon here. Et j'augmenterai tes douleurs. Tes désirs se porteront vers ton mari ainsi de suite. I will increase your pain and your desire will be to your husband. Et il a dit au serpent. And said to the serpent. Il n'était pas alors un reptile. He was not yet a reptile. Il n'était pas alors un reptile. He was not yet a reptile. Il a dit, maudit sois-tu. Curse be you. Il lui a enlevé les pattes. He removed his legs. Et il a mis sur son ventre tous les jours de sa vie. And he put him upon his belly all the day of his life. Il aura pour nourriture la poussière. He will have his food dust. Et il sera haï. He will be hated. C'est là qu'il est aujourd'hui. As the place is today. Amen. 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 Donc le serpent, the serpent, il est frais. It's frightening. Et il a tué. Attract in the same time. Il augmente la connaissance. Is increasing knowledge. Et il donne des sensations. And he gives sensations. Et quand Dieu l'a maudit, when God curse him, la malédiction est réelle dans la vie. The curse is real in the life. La seule chose que la malédiction n'a pas enlevée sur le serpent, c'est la beauté. The only thing the curse did not remove upon the serpent is the beauty. Mais tout le reste, la malédiction a enlevé. And the rest, curse removed. Les pieds sont partis. Les yeux, les oreilles, comme normal, c'est parti. All are gone. Il n'a pris la forme, no form, que du sexe masculin qu'il était quand il est allé chez Eve. Là. The masculine sex he had when he went to Eve. Amen. Amen. Et aussi longtemps as long que as les humains sont en train de faire cela, human beings are doing this, ça s'appelle manger les fruits interdits, and we call eating of the forbidden de la connaissance fruit, du bien et du mal, or the knowledge of true and evil, et du coup cela doit produire la mort. This must produce death. Du coup, le péché originel, original sin, qui a commencé par le sexe, starting the sex, et aujourd'hui ici à la fin toujours dans le sexe, is always at the end by the sex. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jusqu'aujourd'hui, until today, il n'y a pas un acte sur la terre, no action upon earth, qui incarne le péché, incarning sin, plus que ce fruit-là. More than sin, the fruit. Il n'y en a pas. No. Le péché originel. Original les grands péchés sur la terre, great sin dans lesquels il y a l'attraction and we are attraction et la paix.
and fear. Et la preuve, the proof, même les gens qui sont dedans tout le temps, even people in quand ils s'approchent de ça, when they come close, vous voyez que le cœur bat fort. And it's beating vrai ou faux? Yeah, yeah. Est-ce que le cœur ne bat pas not your quand ils veulent manger les fruits? When we have to eat all the fruit, ça bat. Yeah. Même le novelas dit ça, non? Even novelas says so. Ça bat fort. Yeah. Votre pourquoi ça va fort? Why your heart is beating strongly? Pourquoi c'est les infidèles? Why they are quand on les attrape, ils ont peur. When they are même si c'est un président. Even the president. Quand ils mangent le fruit ailleurs. When dehors, the fruit outside, quand on l'attrape, parce que pourquoi il a peur? Why is he afraid? Amen. He's running. Parce que le problème est que le serpent a tué. The problem is the serpent attracts. Repousse, il effraie. Reject and et fight. Et chaque être humain. Human quand being, il met les pas dedans. When Bush said lui-même a peur. Is afraid. C'est pourquoi beaucoup quand ils sont dans la peur, plenty when are in the fear, ils font même cela mal avec stress. They do it with stress. Tremble. Yeah, trembling. Ah, c'est mon maman, c'est mon papa. Et madame, c'est mon maman, il m'a arrêté. Mais pourquoi tu es là? Why are you there? Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Yeah. Parce que c'est ça les émotions du serpent. There's an emotion of the serpent. C'est ça ce que ça peut donner la chose là. What? It can give the pain. Donc rien n'a changé. Nothing has changed. Tel que cela avait les effets dans le jardin d'Eden. The way it had the same effect in Eden. De la même manière que ça a les effets jusqu'aujourd'hui. In the same way the action had the effect at today. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle that is why la nouvelle naissance est obligatoire. New birth is obligatory. Malgré l'ouverture du septième sceau. The spirit opening of the seventh seal. Malgré la venue de Dieu dans la chair humaine. The spirit coming of God among human flesh. Nous continuons à vivre dans la deuxième alliance. We continue living in the second covenant. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit if somebody que nous ne vivons plus dans la deuxième alliance, c'est un menteur. We are not living in the second covenant. He's a liar. Le septième sceau, the seventh seal, nous a régénéré à partir de l'intérieur. Regenerate us from our inner part. Par la nouvelle naissance, by the new birth, nous avons vu Dieu. We have seen God. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures. We have become new creatures. Et nous devenons les êtres doubles. We become double beings. À l'intérieur, inside, c'est Dieu. God. À l'extérieur, outside, c'est encore la chair. Always flesh. Qui subit tous les effets du serpent. Under the influence of the serpent. Amen. Amen. C'est pourquoi tous les humains all the human qui pratiquent les fruits, practicing ils sex, sont dans l'atmosphère du serpent. They are in the atmosphere of the serpent. Alors il faut laisser Jésus tranquille. Let Jesus parce que lui n'a ni fait l'acte, he did no action, ni même né par le sexe. Even born by pour le rendre serpent coma. How are you going to put Jesus alors serpent? Que vous et moi, meanwhile, you and I, qui courons encore derrière les jupons, running after nous women, sommes des vrais serpents. We are the real serpent. Amen. Amen. Donc, so, s'il y a une seule chose if there is one que thing, le septième sceau a fait the seventh seal did, qui bien sur le sexe, good c'est the que quand Jésus est mort à la croix, ni, when he died upon the cross naked, il payait le prix du serpent là, the prayer of the serpent, du péché là. The sin. Pourquoi? Why? Parce que la terre a été maudite. For the heaven was cursed. Jésus, quand il est maudit, neither one is cursed. Il n'est pas maudit parce qu'il est serpent. Non. He's not cursed because he's a serpent. No. Vous n'êtes pas intelligent, vous là. You are intelligent. Écoutez-moi bien. Listen. Soyons sur nos deux pieds. Let us be upon two oh, feet. Oh, merci Seigneur. Oh my. Écoutez. Thank you. Pourquoi Jésus était maudit? Why Jesus was cursed? Parce qu'il était serpent? Was non. Amen. Amen. Le serpent a été maudit dans le jardin d'Eden. Serpent has been cursed in the garden. Nous le portons dans nos habits. We bear in our clothes. L'autre est par terre là-bas dans le jardin. Some is somewhere. Point. Peu importe race. In the bush, no matter the race. Put quel top. Est son travail? What is job? Sensation, force, sensation, etc. etc. Et il continue à tuer les gens continue parce qu'il vaussait passe tous les jours. Cause mortuary. Plenty of time, mortuary are full. Quand les gens meurent, il n'y a pas autre raison, c'est ça. When people are dying, no more reason this. C'est pourquoi même les TikTokers, even TikTokers, c'est pour avoir beaucoup de vues. Plenty of il faut view. Montrer le serpent et ça passe vite. Show the serpent is okay. Même les publicités, il faut montrer le serpent, ça passe even vite. Advertisement, the same. Tu t'habilles bien, tu veux faire le vie, tu n'en auras pas. Pour séduire, pour avoir plus de vie, il faut se déshabiller. Parce que c'est la logique du serpent. And the logic of the serpent.
qu'on est ensemble. Yeah, I'm together, yes. Avec ça, il n'y a plus de bas. Oui, let's not even. Jésus. Jesus. Pourquoi Dieu l'a maudit? Why God cursed Jesus? Prenez la demeure future. Future house. 5 minutes, on arrête. Il dit, Dieu n'a pas maudit Adam. 326. Il aurait pu faire la même chose. Mais il a maudit la terre. But he has cursed him. Des épines et des ronces. Of thistle and thorns. Il n'a pas maudit Ève. Mais il a dit qu'Adam dominerait sur elle. But he said Adam rule upon her. C'est pourquoi quand les femmes cherchent les droits égaux aux hommes. When women are searching equal right to men. Dans la deuxième alliance. In the second covenant. Non, elles sont en train de lutter contre Dieu. They are fighting against God. Quand les frères du message, when the brother of the message disent, nous ne sommes plus dans la deuxième alliance. Then we are not more in the second nous covenant. Sommes dans la troisième alliance. They are the third one. Mais ils dominent sur leurs femmes. But they have dominion upon women. Elles-mêmes, là, ils ont un problème. They do have a problem. They are suspicious. Parce que si vous quittez la deuxième alliance, if you leave the second la femme automatiquement devient égale à l'homme. Women automatically become equal. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand vous ne voulez pas croire à la polygamie, when you don't want to believe polygamy, ne dérangez pas les programmes de Dieu. Don't disturb program of God. Amen. Amen. Dis seulement, just say, Église, moi cette chose là je n'ai pas encore bien saisi ça. Church, I don't say nothing. C'est bien, c'est mieux. Finish. Dieu ne va pas te rejeter à cause de ça. God never rejects you because of this. Mais quand on ne veut pas croire la polygamie, when we don't want to believe polygamy, puis on dit aux gens, and we say people, et nous ne sommes plus dans la deuxième alliance. We are not in the second covenant. Et la nuit, and night, tu as enlevé les habits pour manger les fruits. You remove the clothes to eat the fruit. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? What happened in your head? Si il n'y a aucune sœur qui prêche, if there is no sister preaching, c'est parce que nous sommes dans la deuxième alliance. Because we are in the second covenant. Si nous ne voulons pas que les femmes réclament les droits égaux aux hommes, if you don't want women to reclaim second rights, c'est parce que vous êtes dans la deuxième alliance. Because we are in the second covenant. Si on ne laisse pas la liberté aux femmes de choisir leur sexe, if you don't let freedom to women to choose their sex, c'est parce que vous êtes dans la deuxième alliance. Because we are in the second covenant. Amen. Amen. Alors que la troisième venue est là, the third coming is there, les choses sont révélées. The scene are revealed. Donc nous sommes en train de marcher avec l'éternité à côté du temps. We are walking with eternity by the side of the time. Amen. Amen. Les deux au même moment. Both at the same time. Je veux dire quoi? What I mean? Nous disons ceci. We say so. Amen. Dieu. God a maudit la terre. Curse Eve. Dans le jardin d'Eden. In the Eden garden. Il n'a pas maudit Adam. He has not cursed Adam. Il n'a pas maudit Eve. Not Eve. Qu'est-ce que la malédiction? What is the curse? C'est prononcer des malheurs sur quelqu'un. Proclaiming curse upon somebody. Même Caïn. Even Caïn. Semence du serpent. Serpent seed. Quand il est venu, when he came, Dieu a encore maudit. God cursed him. Vrai ou faux? Yeah. Il a dit. He has said. Toi. You. La terre. Hell, ne te donnera pas sa richesse. You never give up your, his wealth. Et toi, you, tu ne seras jamais avec moi. Caïn s'est éloigné. Les gens qui sont maudits, c'est pourquoi si la terre, tu es maudit, tu es maudit. Un maudit fuit Dieu. Et curse one fear God. Amen. Amen. Les gens que vous voyez fuir Dieu. People you see fearing God. Les animistes. Animists. Les athées. Athées. Ce sont des maudits. They are cursed one. Parce qu'un maudit, a curse one, il n'aime pas Dieu. They don't love God. La malédiction est manifestée aussi dans la sécheresse. Is manifest in dryness. C'est pourquoi il a dit à Caïn, he said to Caïn, tu vas faire comme ça. Le sweet. Parce que Adam, Adam, quand il lui a dit que à la sueur de ton front tu vas manger, when he said in the sweat of your forehead, c'est pas une malédiction. You know, a curse. C'est le travail. His job. Et le travail normalement il travaille. He working normal. Et le travail, quand on dit sueur là, ce n'est pas que tu vas toujours transpirer. Tu peux être dans un bureau climatisé. Amen. When we say job, you sweat, it's not because sweat will come from voiture, your forehead. Climatisé, magasin climatisé. Car, air tu conditioner. Vas transpirer quel jour? Ah, you sweat. Shop. Et si tu vis au pôle Nord là-bas, il fait glace. If you comment live tu vas transpirer? North Pole, how are you going donc to si sweat? Tu comprends la transpiration d'une manière naturelle, if you understand sweat in natural, les Sibériens, non, ne transpire pas. Siberian, we never get it, you know. Ça vient tout simplement du. Amen. Tu vas développer une énergie. You develop energy. Pour acquérir quoi manger. To get amen. To eat.
tu vas travailler. Adam, tu vas faire ça. When you do it. Et quand tu gagnes, when tu win, donnes à la femme. Pay, et en donnant, tu domines. Give it to one. Amen. Amen. C'est pourquoi un homme Amen. Ne doit pas attendre que la femme ait les moyens pour lui donner. Non, must know where woman have means to give it. Quand un homme attend que la femme ait les moyens pour lui donner, when a man wait for woman have means. C'est féminin, il faut le hey. Is a female. He must be destroyed. Amen. Parce que because celui qui donne domine. The one that gives, quand toi tu donnes, tu es au-dessus. When you give your c'est pourquoi la main qui prend en bas. Yes, the hand on ne prend jamais comme ça. Over. The hand taking is armor. Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Ça c'est la deuxième alliance. This is the second covenant. Eve n'a pas été maudite. Was not Adam n'était pas maudit. Was not deux choses ont été maudites. Was les serpents. The serpent et quoi? Et la terre. And yes. Amen. Amen. Les serpents. The serpent et la terre. Yes. Alors que la terre. Yes. C'est notre maman. Our mother. Pourquoi? Why? Parce que nos corps sont dans la terre. Was from Eve. C'est-à-dire quand Dieu maudit la terre, il y a quelque chose de grave. Something dangerous. Parce que toute l'humanité, all humanity, avec l'univers, avec le corps, ça se trouvait dans la terre. Oh, yeah. Quel est notre sort? What is our destiny? On allait rester les théophanies. We have remained theophanies. Et on n'allait pas avoir un corps racheté. And we have not. Alors comme Dieu est intelligent, as God intelligent, j'ai maudit la terre. I curse the earth. Adam meurt, Adam dies, j'ai maudit la terre. And I curse the earth. Il y a deux choses both things que je ne pourrai plus avoir chez mes enfants. I can never get to my children. C'est-à-dire la vie éternelle parce qu'ils meurent. Leur corps naturel ne pourront plus être là. The natural body cannot. Parce que j'ai maudit ça. I curse it. Les serpents, je m'en fous, ils méritent son acte. I don't care the serpent. Mais la pauvre terre, qu'est-ce qu'elle a fait? What it is. Pour qu'elle soit maudite. Where to be cursed. Donc Dieu a commencé à réfléchir. God started thinking. Comment remplacer cette terre maudite? How to replace this curse, Eve. Amen. Yeah. C'est ce qui l'a amené à créer Jésus. Pourquoi? Why? Pour que Jésus remplace la terre. For Jesus to replace the earth. Et que Jésus lui soit maudit Jesus à la place de la terre. At the place of the earth. Pas parce qu'il est le serpent. Not non. Serpent. Not because Jesus is a serpent. C'est pourquoi quand il était à la croix, on a pris les épines, on a pris les ronces, on est venu mettre sur sa tête. Amen. Amen. Les gens Amen. Ne comprenaient pas ce qui se faisait. Amen. 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 Il recevait la punition. Il a reçu une punition. Ah, vous cherchez citation. You are searching quotation. Il n'a pas maudit Ève. He has not cursed Eve. Mais il a dit qu'Adam dominerait sur elle. He said Adam will have dominion upon her. Dorénavant, from there, elle n'essaye plus de prêcher ni quoi que ce soit. Never trying to preach. C'est Adam qui domine sur elle. It's Adam having dominion tous upon les jours de ta vie. All the days of your life. Et dans la douleur. In pain. Et c'est toi qui apporteras la vie sur la terre. You will bring life upon her. Psalm 358. 358. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Remember, the Holy Ghost came upon Jesus. Et Jésus était une partie de la terre. Jesus was a part of the heaven. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Les germes de vie. Germs of life. La vie de Dieu. Life of God. A été conçu dans le sein d'une femme, pas vrai? Was conceived in the womb of a woman, isn't qui it? Qui était la terre? That was the earth. Ou bien? Yeah. Très bien, point. Yes. Et alors, and so, la vie de Dieu est entrée. Life of God entered. Donc, so, il était le commencement de la création de Dieu. It was the beginning of God creation. Et alors, and then, c'est sang de Dieu this from God, qui était là par ses germes. By his germs, quand il a été versé au calvaire, when he has been put in the calvary, il est retombé sur la terre. He has fallen upon earth. Pour quoi faire? To do what? Pour racheter la terre. To redeem the earth. Maintenant, now,
Elle a été justifiée. She has been justified. Elle a été sanctifiée. Sanctified. Appelée et revendiquée. Called and revendicated. Et maintenant, now, elle doit recevoir son baptême de feu. She must receive a baptism of fire. Et être purifiée pour Jésus et son épouse. Be purified for Jesus and his bride. Et vous? And you? Vous êtes ces autres parties qui sortiraient de la terre. From the earth. Vous êtes une partie de la terre. You are part of the earth. Votre corps. Your flesh. Votre âme. Your soul. Est une partie de Dieu. Is a part of God. Un attribut de Dieu. An attribution of God. Manifesté ici sur terre dans un corps. Manifested here in the flesh. Le corps doit encore être racheté. Flesh must be always redeemed. 440. Toujours. Demain futur. Future house. Dans l'Apocalypse 21, 3 et 4. In Revelation 21, 3 and 4. Le tabernacle de Dieu est avec l'homme. The tabernacle of God with humanity. Dieu a établi sa demeure dans l'homme en les rachetant par ces trois processus. God established in kind of in man, redeeming these three processes. Maintenant, now, Dieu va racheter la terre et établir sa demeure sur la terre avec ses sujets sur la terre. And establish his house upon him with his subject upon him. Qu'il a tiré de la terre. He has extracted from the earth. Par le péché, il était tombé. By the sin, he was fallen down. Il a dit laissez continuer ça. And he allowed continue this. Mais maintenant, now, il a envoyé Jésus he has sent Jesus pour racheter cette terre qui était déchue. To redeem that heap which was deceived. Dont nous faisons partie. Which we are part of. Là, then, pas un seul cheveu de votre tête ne périra. Not only hair of your head will perish. Dites amen. Amen. Pourquoi? Why? Parce que la terre est rachetée. Heir is redeemed. Amen. 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 Jésus l'a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Yes, sir, we'll resurrect the last day. Vous êtes une partie de la terre. You are part of the heaven. Exactement comme la, comme quand la colombe est venue sur la partie de la terre qui était Jésus. Exactly like the dove came upon the part of the heaven which was Il était la poussière de la terre. He was the dust of the heaven. Un homme. A man. Dieu, God. Ici de ce petit germe de vie. Came from the small germ of life. Par une puissance créatrice. By a creative power. Et le sang qui était dans la vie qui était dans ce sang est remonté vers Dieu. And the life which was in the blood came turn back God. Mais le sang a coulé sur la terre. The blood shed upon him. Pour la revendiquer. To reclaim it. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. But Raymond strike him. Dites amen. Amen. La mort de Jésus sur la croix était très importante. Was very important. Dites amen. Say amen. Si tu ne crois pas ça, tu es un païen. If you don't understand, you are a pagan. Un maudit. A cursed one. Tu ne fais pas de plaisanterie. You don't make jokes. Amen. Amen. Nous n'avons rien contre la croix. You don't have nothing against the cross. La croix, ce n'est pas notre ennemi. Cross is not our enemy. Le synonyme d'adorer Branham, worshiping Branham, ne nous rend pas les ennemis de Jésus. That don't make us ça n'a pas de sens. C'est l'onction de Lucifer. Anointment of Lucifer. Jésus, Jesus, c'est un monsieur créé par Dieu created pour like accomplir un programme au temps du midi. At midday. Mais son message n'était pas parfait. His message was not perfect. Ce n'était pas le dernier message. It was not the last message. Il était lui-même un avant-coureur. He was himself a forerunner. Un type. A type. De la véritable semence de la femme, the truth, woman seed, qui est la pierre de fête, which is the capstone, qui allait venir dans les derniers jours. That will come the last day. Amen. Amen. Quand il mourait, when was time, son sang venait des choses qu'il a mangées. His blood was coming from the thing he was eating. N'est-ce pas? Yeah. Mais quand ce sang touchait la terre, when the blood touched the earth, cela avait une grande signification spirituelle. It had a great meaning. Frère Branham dit, Brother quand said, ça touchait la terre, when it touched the earth, ça l'a réclamé. It reclaimed.
En d'autres termes, in other words, Dieu pouvait dire à Satan, God said, Satan, la terre me réappartient maintenant. It belongs to me again. C'est ça que toi tu vas insulter. It will be insult. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. À cause du sang qui avait été transmis par la because cellule. Of the blood transmitted by les reproductrices qui venaient de Caïn, vous voyez. Coming from Caïn, il y a eu tombé la terre. And they have maintenant, also. Il revient avec la puissance créatrice. Now he come back with creative power. Tout comme il l'a fait pour Adam, en créant Adam. As it did like with Eden, creating Eden. Voici le second Adam. This is the second Adam. Et à travers cette cellule brisée, through this broken cell, là où le péché, là où Caïn, the place Caïn, Caïn est venu souiller là, came to this là où il a brisé les cellules de sang, the place he had broken, le même endroit là, the cell of blood. C'est cet endroit là qui a été aussi Golgotha. And the same place that was. C'est le même endroit là où Satan s'est promené dans au début de les éternités là-bas. And the same place Satan was spacing quand down. Quand il s'est promené sur les plateaux de l'univers. Walking upon the landscape. Les rochers où il tournait. The rock was standing down. C'est quelque part ici. Somewhere. Parce que toute l'histoire de la vie du monde et de l'humanité. C'est vers l'est ici. Oh, the story of the world, Moyen-Orient. Yeah. In l'Égypte, Libye, Syria, Libya, l'Iran, Israël, l'Iran, c'est ça. The center of the earth. C'est là où tous ces gens-là ont parcouru. And the place Dieu, Satan, tout le monde. Tout a commencé en Afrique. All started in Africa. Et ça a fini vers l'est là. Et donc, quand vous voyez Jésus aller à Golgotha, là, ce n'est pas par hasard. Selon Frère Branham, Abel était tué sur le même endroit. Abel was killed the same Dieu place. Ne fait rien pour rien. God had not made things at random. Et c'est le même endroit the same place où Satan s'est promené pas mal. Satan was pacing up and down. Et quand les frères entendent ça, c'est là où Satan s'est promené. Et puis on a mis Jésus là-bas. Donc, c'est lui le serpent là. Et le serpent. C'est lui Lucifer là. Et Lucifer. Alors que quand Jésus reçoit la malédiction, il essaie de cœur. Ce n'est pas parce qu'il a commis un acte. You know, because he did an action. Le serpent, the serpent a commis un acte. Committed a mistake. Jésus, lui, Jesus, Dieu le crée God created comme un remède, un médicament. As a medicine. Pour payer le prix. To pay the price. Afin que la terre, so that he la malédiction qui était placée sur la terre, the curse upon him, on l'a enlevée, was on l'a placée sur Jésus. Placed upon Jesus. C'est pourquoi on a mis le rond sur lui. Quand il est mort, when is there, le sang a coulé, bloodshed, la terre maintenant est libre. Now is free. Donc quand Satan continue à dominer sur la terre, Satan dominé upon him, c'est en tant qu'un intrus. As et sinon, il n'en a plus le pouvoir. He has no power. Et c'est à cause de ça this, que vous et moi, you and I, nous sommes censés avoir la vie éternelle dans notre chair ici. C'est pourquoi on croit aujourd'hui que la mort n'existe pas. Amen. Que Dieu me donne le courage. Let God give me pour courage. Ne pas pleurer. Do not cry. Pourquoi? Why? Je dois pleurer quoi? What am I going to cry? Je dois avoir douleur. What am I going to have pain? Douleur. L'homme est fait pour avoir un peu de douleur. We are made to have Amen. Pain. Amen. C'est comme ça que Dieu aime. It's the way à un we moment, are. L'homme a beaucoup de joie. At the moment, à un moment, il a un peu de douleur. Joy. Parce que selon Dieu, according quand God, un homme a un peu de douleur, when man, il se rapproche de lui. Close from him. Quand les joies, c'est joie. Un jour, il va tout expliquer. One day, you explain all things. Tout aura une explication. All we have explanation. Et ça, c'est parce que ça, là, c'est this parce God, que ça, là. This. Mais quand il y a un peu de Dieu, là, de when là, there is God, oh, a, vraiment, ici, c'est vrai. Oh, amen, tu as la parole. Yeah, ah, c'est vrai, amen, okay. C'est vrai. Okay. Amen. Amen. Mais quand Dieu n'est pas dedans, oh, tu dis ça, on explique comme ça. Oui, amen, si, oui, give explanation. Mes chers frères, est-ce qu'on est ensemble? Brother, are you together? Jésus a reçu la malédiction Jesus de la terre. The curse from the earth. Et il est mort. Is there? Et Dieu voulait montrer à Adam God, when you show que j'ai vaincu la mort à ta place. Say, I pour te dire que maintenant, Adam, tu vas récupérer la vie éternelle. For you to take back eternal life. Pourquoi il a ressuscité, il a laissé la tombe. Resurrected and let
empty grave. Pourquoi la Bible l'appelle l'avant-coureur de la résurrection. There is a Bible called le prémisse de la résurrection. Forerunner of resurrection. Amen. Pour nous donner le courage. He gave us courage. De ne plus craindre la mort. To fear death. Parce que because si tu meurs pour die, après ressusciter. Mais tu as perdu quoi là là là. When you, what do you love? C'est ça le problème. What? That's the problem. Pourquoi un jour, one day, on a demandé à Frère Branham, he was asked by Branham, est-ce que tu as l'assurance, do you have the insurance, de la santé, of health, pour des funérailles, for funerals, de ta tombe et tout ça là. Your grave and all this. Voilà, non. No. D'abord quand tu as l'assurance, oui, je suis assuré. I'm insured. Comment ça? Moi-même, je suis je travaille dans une société d'assurance. I'm working. Okay. Quand il a dit sa mère était à côté. Mais c'est mère ou pas ça? C'est comme mère voulait dire oh. Mon mari ne dit jamais des plaisanteries grossières. My husband knows. Pourquoi il dit qu'il est un agent de la sécurité? Why is he sociale? Why agent of social? Et le frère l'a dit, référent, vous êtes réellement un agent. Say, hey brother, tu travailles dans l'assurance? Oui. Are you working in insurance? Il dit oui, je suis un agent de l'assurance. I'm agent of Jésus Christ, la vie éternelle. Jesus Christ, eternal life. Il dit non. Oh no. Frère Branham, ce n'est pas de ça que je parle. Ça c'est bon. Papa, I'm not talking about this. Est-ce que c'est ça qui va t'enterrer? Which will bury you? Mais là, il répond. Any answer? Mais au moins ça, at least ça va me faire sortir de la tombe. Make me come out from the grave. Et il ajoute, had, ma préoccupation, my problem, ce n'est pas de savoir comment je serai enterré, mais c'est de savoir comment je vais sortir de là. Back. Amen. Et Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. On va chanter Matin de la résurrection. Pour prouver, pour bénir les saints de la résurrection. Et nous allons continuer mercredi avec le serpent des reins. Amen. Matin de la résurrection. La trompette de Dieu sonnera, nous vivrons, alléluia, nous vivrons. Les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera trouvée. On bénit les frères Michael, on bénit tous les saints. Bon, on pense pieusement aussi à notre révérend Baruti qu'on aime bien, un ancien qui a fait beaucoup du travail dans le message de William Branham. Amen. Amen. Vous l'aimez? Amen. Amen. C'est tout? C'est bon? Volume, c'est bon? Matin de la résurrection. Amen.
entendons le bruit de guerre. Et nous voyons les guerres. Et nous savons que le monde est dans un état horrible. Les prophéties et la parole de Dieu s'accomplissent chaque jour. Nous devons être en communion avec Dieu. Prions le Seigneur. Et remettez aussi la famille de notre frère Biko entre les mains de Dieu et de tous ceux qui sont touchés partout ailleurs par le décès de leur bien-aimé. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, parlez à Dieu, dis quelque chose à Dieu. N'ayez pas honte de prier, c'est maintenant le temps, un jour tu n'auras plus le temps. Sur la terre
Et nous savons que tous ceux qui sont venus avant, pendant et après nous, et nous marchons ensemble vers une destination. Toute l'humanité se dirige vers une destination. Au-delà de ce qu'on peut dire, de ce qu'on veut, au-delà de notre bon vouloir, des décisions des chefs, des puissances, des pays, au-delà de leur diplomatie, au-delà de leur gouvernement, il y a une destination. Et tous, nous sommes sur cette route, en train de partir à grande vitesse. Et les autres quittent avant, par les maladies, par les accidents, par l'âge, par plusieurs raisons. Mais tous, nous allons dans la même destination. Mais nous, nous avons un élément différent. C'est le fait que nous avons accompli l'acte de foi par lequel la malédiction qui était sur notre corps pour nous empêcher de vivre tellement a été ôtée. Et le jour où on nous déclarerait mort, que cela soit par la bombe atomique, que cela soit par n'importe quelle voie, tous les saints ici présents, leur mort veut dire qu'ils changent de cycle de vie. C'est pourquoi nous chantons la résurrection. Nous ne chantons pas la mort. Nous ne chantons pas la tristesse et la déception et la froideur du Jourdain. Mais nous chantons la résurrection. Parce que c'est ça le gain que nous avons gagné dans le septième saut. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, touche le cœur de ma soeur, de mon frère, nos cœurs, pour que nous puissions être conscients, éveillés et marcher comme des gens avertis dans ce monde ici. Et que nos vies soient en ordre avec toi. Et que nous puissions lutter jour et nuit pour être agréables au-delà de lui-même. Bénis nos familles, Seigneur, et la séparation qui fait mal. Que tu bénisses la famille Abikou, que tu bénisses la famille de notre bien-aimé révérend Baroutil, son église et tous les saints qu'on a enterrés toutes ces semaines passées. Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Et ce que nous ne connaissons même pas, Seigneur, nous le remettons aussi entre tes mains. Sois jamais béni et que ta bénédiction soit sur tes enfants, sur notre semaine et notre vie et nos programmes pour la gloire du Seigneur William Branham. Amen. Continuez à jouer et nous allons sortir, aller dans la paix du Seigneur. Mais nous avons, je pense, un communiqué. Tous les frères, toutes les sœurs, contactez les AD pour la semaine. Ils vont payer le loyer de l'église. Par ça, nous aurons d'autres communiqués le dimanche prochain. Il n'y a plus rien de nouveau. Vous avez tous les programmes. Dans deux semaines, nous avons notre petite réception et après cela, le voyage missionnaire vers Lomé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.